גם מאחורי הדבר עם הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד On commence Bezrat Hashem de Shiur dans l'Ilchot Purim, dans l'Écoute à la Chot, page 514. Donc on a commencé la semaine dernière et la semaine d'avant aussi, la Halakha Dalet, page 514. Et on va commencer à Aleph. On avait fait l'introduction, maintenant on va passer à Aleph Bezrat Hashem. Vine à Torah et Zira Otanu, Shelo Leler Bechukot Akum. La Torah nous a mis en garde de ne pas aller dans les choukot des idolâtres. Les choukot, ce sont des choses qui ne sont pas expliquées, qui sont des habitudes, qui n'ont pas d'explication logique. Par exemple, si quelqu'un il met un manteau, alors ça a une explication logique. Manteau, parce qu'il fait froid. Si quelqu'un il prend un parapluie parce qu'il pleut. Si quelqu'un il prend un parasol parce qu'il y a du soleil. Mais il y a des choses qui sont pas, qui n'ont pas d'explication. Par exemple, il y a des coupes de cheveux qui sont à la mode maintenant avec un choupik de trucs. Ça, se raser sur les côtés, ça on n'a pas le droit de faire ça parce qu'il n'y a aucune utilité à ça, il n'y a rien de logique. De mettre des pantalons en tube comme ça en bas, qui sont serrés et tout, il n'y a aucune explication logique à ça. Donc tout ce qui est des habitudes qui n'ont pas une explication, c'est-à-dire une raison valable, que c'est utile pour une raison ou pour une autre, alors on n'a pas le droit. Tout ce qui est fait par les gens qui sont des idolâtres, on n'a pas le droit. « Ou l'itrachek mem betachlit arichur sheyot daintlaim » et de s'éloigner d'eux le plus possible, de pas essayer de leur ressembler. Donc, tout ce qui est mode, par exemple, il faut essayer précisément, c'est-à-dire d'afka, c'est-à-dire de façon intentionnelle, de pas s'habiller à la mode, de pas suivre la mode, d'aller contre ça. On verra pourquoi la Torah elle nous dit de faire ça. La Torah elle veut pas nous embêter. La Torah elle veut nous aider à être heureux. Elle veut pas du tout nous embêter. Donc quand la Torah nous dit de faire quelque chose, c'est que c'est dans notre intérêt de faire ça. Ki be'emet afal pi she'be'emet la'amito yicholim limtzo elokuto yitbarach afilu bilshonot ha'akum. Parce que bien que le be'emet la'amito on peut trouver la divinité d'Hachem même dans les langages des idolâtres qui hu mechayet kulam, parce que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui donne la vitalité à tout ce qu'il y a sur terre. Donc du moment où on cherche Hachem, alors on peut le trouver dans tous les domaines, dans tout ce qui existe sur terre. Bémet le amito. Afal piken asur lichnos le sham. Malgré ça, c'est interdit de rentrer là-bas. Ki uchal itafes sham mahmad ribouy aklipot shem rabim alatov. Parce qu'il peut se faire attraper là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de clipotes qui sont autour du bien. C'est-à-dire que c'est vrai que Hachem se trouve partout, dans tous les endroits, dans toutes les situations, dans toutes choses sur terre. Il y a Hachem. Seulement, il y a des endroits où il y a le bien, il est voilé et il y a plus de clipotes, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de forces négatives qui sont autour du bien. Et ces forces négatives-là, elles risquent de facilement de faire basculer la personne. Donc la Torah nous dit de nous éloigner de ça pour nous protéger. Et le bien là-bas, il se cache de façon extrêmement recouverte. C'est très très difficile de trouver le bien qui est là-bas.
Alken yuchal itafes benehem chazé shalom. Donc il peut se faire attraper parmi eux, parmi ces idolâtres, chazé shalom. Veika azara, izira otanu a Torah, shelo leachet bechukotehem daika. Maintenant la Torah nous a mis en garde, surtout de ne pas aller dans leurs chukot, c'est-à-dire dans leurs habitudes, qui n'ont pas de raison logique, des choses qui sont faites dans le monde, mais il n'y a pas d'intérêt à ça, c'est-à-dire un intérêt physique ou un intérêt de confort ou un intérêt de soin ou de compréhension, n'importe quoi. Là où il y a un intérêt, on peut. Mais là où il n'y a pas d'intérêt, que c'est juste des choses qui sont décrétées comme ça par les nations, comme la mode, des choses comme ça, alors ça, on est obligé de s'éloigner de ces choses-là. La Torah nous a mis en garde, surtout sur ces choses-là. Moshkatou bechukotem lotelechou, comme c'est écrit dans le chukot, le chukim, vous n'irez pas. Le chukim, c'est la différence entre le chok, c'est-à-dire des choses qui sont des chukim, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas incompréhensibles, et il y a des choses qui sont compréhensibles. Par exemple, quand il y a une limite de vitesse à 90 à l'heure ou à 110 à l'heure. Alors il y a une explication à ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, on doit suivre, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est des choses qui n'ont aucun sens, alors là il faut faire très attention parce que c'est extrêmement dangereux. Qui est zelo madze asa Elokim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait chaque chose avec son contraire. Comme c'est écrit dans Kohelet, c'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Le roi Salomon dit ça. Kmo shebikdusha yeshne mine avot. De la même manière que dans la sainteté, on a parlé la semaine dernière, on a dit, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui est dans les jours, et il y a qui sont des jours où il y a du bien, et il y a des jours où le bien est plus caché. Et il y a un amour qui est au-dessus de tout esprit et de toute mesure. Comme on a développé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a un amour d'Hachem pour son peuple, que cet amour-là, pour son peuple et pour toute la création en général, pour toutes les créatures du monde, que maintenant cet amour-là, il est au-dessus de toute mesure, c'est-à-dire il est complètement démesuré et il n'y a pas de logique dans cet amour-là. C'est-à-dire que même si logiquement la personne a un comportement abusif, un comportement qui est négatif, Hachem il va l'aimer quand même parce qu'il y a un amour qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Vesham uprinat kulotov. Maintenant dans cet amour-là, il sait tout est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun point négatif. Il n'y a que du bien. Il n'y a pas de présence de mal du tout. Donc peu importe le comportement de la personne, peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, Akadosh Baruch Hu, il l'aime en tant que créature, en tant que Ben Israël, en tant que comme on dit, Maaseh Yadav Leitpa'er, les actions de ses mains pour se glorifier de ça. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. D'une façon qui dépasse tout entendement humain. Qui uprina toraita deatika stima deatita lit galia leatid lavo. Parce que ça, c'est le principe, comme on l'a expliqué la semaine dernière, de la Torah cachée, que cette Torah cachée, elle va se révéler dans la fin des temps, c'est-à-dire dans là où on se trouve aujourd'hui, chez uprina kulotov, que c'est entièrement bon. Comme il a dit Rabbi Nachman, avec moi, personne n'a jamais perdu. C'est-à-dire, il y a tout celui qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, il a toujours gagné. Qui se rapproche un petit peu, qui se rapproche moyennement, qui se rapproche beaucoup, tout ce qu'il peut faire, qui a un attachement à Rabbi Nachman, ça ne lui fera que du bien. Jamais il y aura quelque chose qui viendra de Rabbi Nachman qui va être négatif. Même si quelqu'un il a l'impression que sa vie, c'est un échec d'après la logique. Du moment où quelqu'un, il a connu Rabbi Nachman, il s'est attaché à lui, il est allé à Ouman, où il essaie de faire une beau des doutes, où il allume une bougie pour Rabbi Nachman, où il lui donne une tzedaka pour Rabbi Nachman,
ça sera jamais perdu pour lui. Il sera toujours gagnant. Parce que la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah de Atika Stima. C'est la Torah du futur dans lequel tout est bien. On ne demande pas du tout à la personne de fournir quoi que ce soit, sinon uniquement de se mettre en position pour pouvoir recevoir ce bien-là. Exemple, par exemple, Rabbi Nachman il dit, si tu viens chez moi, Ouman, alors je te sauverai de l'enfer. Je me mettrai en long et en large pour te sauver de l'enfer. Et comme on dit à Breslev, c'est-à-dire Rabbi Nachman, il va sauver les gens de l'enfer, pas que de l'enfer qu'il y aura après, mais de l'enfer de maintenant, de cette vie-là. C'est-à-dire que la personne, déjà, à la fin de sa vie, elle va déjà avoir fini tout ce qui est réparation, et elle n'aura pas besoin du tout d'aller ni s'approcher de l'enfer, ni de connaître l'enfer, rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande Rabbi Nachman ? Il dit, regarde, tu viens au Man, tu donnes une pièce à la Tzedaka, tu fais Tikkun HaKlali, c'est tout. Il ne demande pas d'être quelque chose. Il n'y a pas une condition. Les conditions qu'il demande, c'est uniquement pour pouvoir donner à la personne ce qu'il va lui donner. Mais il ne demande pas à la personne d'être quelque chose. Il ne dit pas, celui qui vient chez moi, il faut que au moins il ait fait le Birkat Amazon, au moins ci, au moins ça. Par exemple, si vous prenez le Balatania, il recevait jamais quelqu'un qui avait raté une fois la prière Betzibour dans sa vie. Ou Shachrit, ou Mincha, ou Arvit. Si quelqu'un il avait raté la prière Betzibour une fois dans sa vie, le Balatania, il recevait pas ces gens-là. C'est-à-dire, il recevait que quelqu'un qui rentrait chez le Balatania, c'est que depuis qu'il était du bar mitzvah, il n'a jamais raté une fois la prière Betzibour. Voilà, il veut voir le Balatania, c'est le prix à payer. Tu veux rentrer chez le Balatania, voilà, il y a des conditions. Le Baal Shem Tov, il n'avait aucun élève qui ne connaissait pas le Shulchan Aruch par cœur. Il n'y avait aucun élève du Baal Shem Tov qui ne connaissait pas le Shulchan Aruch par cœur. Tu veux être élève du Baal Shem Tov? Voilà les conditions. Il y a des conditions d'admission. Rabbi Nachman, il n'a pas de conditions d'admission. Il te dit, voilà, tu viens chez moi, Ouman, tu fais Tikkun HaKlali, tu donnes pièce à Tzedaka, tu fais Tikkun HaKlali, moi je te répare, c'est tout. Maintenant, il ne demande pas dans quel état tu es pour venir. Il ne demande pas de conditions, il ne dit pas il faut que tu sois Shomer Shabbat, il faut que tu manges kasher, il faut que tu aies mis les tefillin toute l'année, il faut que tu aies fait ça, il ne demande rien, il n'y a pas d'il faut, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi il te demande de venir chez lui et de faire Tikkun HaKlali, parce que c'est la chose que lui il a besoin pour pouvoir intervenir. C'est pas pour toi qu'il demande ça. S'il avait pu intervenir sans que tu te faire déplacer, il l'aurait fait aussi. Mais il a besoin de ce déplacement-là, et que tu viennes à cet endroit précisément, et que tu fasses le Tikkun HaKlali, avec ça, lui, il intervient sur toi. Mais il n'y a aucune condition. Il n'y a pas de condition que Rabbi Nachman dit, voilà, il faut faire ça. Il faut te faire que tu fasses telle chose, et je m'occupe de toi. Il n'y a pas de condition. Alors que les tzadikim, ils demandaient tous des conditions d'admission. À n'importe qui venait chez eux, il fallait qu'il ait un minimum de critères d'admission. S'il veut se présenter aux élections, il veut être élève, il veut faire partie du club, alors voilà, le minimum, c'est ce qu'on lui demande, c'est ça. S'il ne fait pas ça, il ne rentre pas. Alors ça c'est pourquoi c'est comme ça. Pourquoi le Baal Shem Tov demandait à ses élèves que pour être un élève du Baal Shem Tov, pourquoi il fallait connaître le Shulchan Aruch par cœur? Pourquoi il demandait ça? Pourquoi le Balatania il recevait pas quelqu'un qui avait raté une fois la Tfila Betzibour dans sa vie? Pourquoi il demandait ça? Il voulait embêter les gens, il voulait faire du mal aux gens. C'est pas pour ça. C'est parce que dans leur Torah, elle fait partie du Tov qu'il y a dans les jours de Ahavash, Beyamim et Bemidot. C'est-à-dire qu'il y a un minimum
de logique dans leur Torah. Un minimum de logique. Donc si tu n'as pas, et c'est un minimum, c'est pas beaucoup, de demander à quelqu'un une chose, ou deux choses, ou trois conditions, demander deux, trois conditions à quelqu'un, c'est pas énorme. Si on demande deux, trois conditions d'admission, pas énorme. Dans n'importe quel endroit où tu vas, on va te demander plus que deux ou trois conditions d'admission. On va te demander l'âge, l'expérience, tu es marié, tu as truc, ça, ça. Il y a beaucoup de choses qu'on va te demander. Pourquoi eux, ils demandent ces conditions-là? Parce que leur Torah, elle a un côté qui est une Torah de logique. Qui est une Torah qui a une emprise dans les midot, c'est-à-dire dans les mesures du temps. Donc il y a une logique. C'est une Torah des 49 portes, c'est-à-dire qui vient des midot, des 7 midot, qui sont les 7 sphirot de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ces sphirot-là, c'est des mesures. Mais il y a une Torah dans laquelle il y a une logique. Cette Torah dans laquelle il y a une logique, elle demande des conditions. Sinon, tu ne rentres pas. Pourquoi ? On ne veut pas t'embêter. C'est que si maintenant tu ne remplis pas ces conditions, c'est dommage pour toi parce que ça va pas te faire d'effet, la Torah. Parce qu'elle demande un minimum de récipients pour pouvoir intervenir sur toi. Par exemple, quand tu vas, je sais pas, quelqu'un va faire une prise de sang, alors on lui dit il faut que tu sois à jeun, c'est tout. Sinon, on ne peut pas te faire la prise de sang. Et si on te fait la prise de sang, et ben, ça va être faussé avec ce que tu as mangé ou ce que tu as bu. Donc voilà, tu veux une prise de sang, il faut que tu sois à jeun. Alors les tzadikim, tous, ils demandaient tout le temps un minimum de conditions d'accès. Ce minimum de conditions d'accès, c'était pour que leur Torah, elle puisse agir sur la personne. C'est-à-dire qu'ils puissent profiter de la Torah. Parce que leur Torah, c'est une Torah qui vient des Yamim et des Midot. C'est-à-dire dans leur Torah, même s'il y a une partie de Torah qui est très élevée, il y a un minimum. Si vous voulez rentrer dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des conditions. Il y a des conditions qui va vous dire, voilà, ça, ça, ça. Vous rentrez la yeshiva du Harizal, il y a des conditions. Vous voulez rentrer dans la yeshiva de Moshe Rabbeinu, il y a des conditions. Vous rentrez dans la yeshiva de Rabbi Nachman, il n'y a pas de conditions. Viens. Ouais, mais vous savez, moi, ne me raconte pas, moi, ou pas moi, ça ne m'intéresse pas. Viens. Tu veux? Oui, je veux. Bien, c'est tout. Ouais, mais vous savez, moi, je fais rien, hein, je fais beaucoup d'avérot, on t'a rien demandé, ne nous raconte pas notre vie, ta vie, ça ne nous intéresse pas. Viens. C'est tout. Pourquoi lui, il dit ça? Il veut passer la pommade aux gens. Il veut leur dire, allez, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, c'est très grave. Mais avec la Torah que Rabbi Nachman, il a, ça ne gêne pas. Pourquoi? Parce que c'est une Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire c'est la Torah de après la résurrection des morts. Cette Torah-là, elle répare n'importe quel niveau de destruction qu'il peut avoir sur Terre. C'est-à-dire que même si quelqu'un y vit sur Terre 5 siècles et qu'il arrive à faire des avérotes 24 heures sur 24 pendant 5 siècles, jamais il pourra sortir de la capacité de réparation que Rabbi Nachman il a. Et qu'est-ce qu'il te demande? Rien. Rien. Participation, rien, nul. Rien. Qu'est-ce qu'il te demande? Il faut que tu veuilles. Tu veux que je te répare? Oui, je veux. C'est tout, ça suffit. Ça, alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont choqués. Ils disent, mais attendez, mais ce n'est pas ce qu'on a appris. Nous, on a appris qu'il faut mettre dans la cagnotte quelque chose. Il faut participation, paf, il faut des paf. Participation aux frais, un minimum. Bon, ok, qu'est-ce que tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu mets les tefilines, des trucs. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Tu as fait tout ça? Ouais, tout ça je fais. Et alors? Et tu continues à faire des bêtises et tout? Il dit, ouais, j'arrive pas à me retenir, malgré que je mets les tefilines et tout, je fais des bêtises, j'arrive pas. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Rabbi Nachman, tu ne demandes rien. Rien du tout. Viens, c'est tout. Tu viens chez lui. Pourquoi tu demandes d'aller à Ouman? Parce que c'est pas pour que tu fasses quelque chose. C'est parce que c'est
juste pour la connexion, il a besoin, pour que tu puisses recevoir cette Torah-là, il a besoin de cette connexion-là. Une fois que tu as cette connexion, après c'est fini. C'est enregistré. Comme si tu as un téléphone avec le Bluetooth, là. Tu as enregistré un truc, ça y est, il est enregistré dans ton téléphone, chaque fois que tu as besoin, tu allumes et ça se connecte automatiquement, c'est fini. Rabbi Nachman, il te demande, viens chez moi, fais tikkun haklali, donne une pièce à Zaka, moi je m'occupe de toi, c'est tout. T'occupe pas après. Toi, t'occupe pas. Toi, reste tranquille, c'est tout. Fais pas des averot bemezid. Fais pas des averot intentionnellement. Elle dit, voilà, et alors il demande quand même que quand on revient de Oman, on fasse pas des averot intentionnellement. Mais ça, lui, va s'arranger pour que tu ne fasses pas des averot intentionnellement. Parce que lui, il dit que quelqu'un qui vient chez lui, alors il lui enlève le goût des averot. Même si quelqu'un il fait des averot, il n'aura plus de goût. Il lui enlève le lien avec les averot. Donc il n'aura plus de goût. Et quand il dit « bémézid » intentionnellement, ça veut dire que la personne, elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Mais quelqu'un, comme la plupart des gens, ils sont inconscients de ce qu'ils font. 99% des gens sont inconscients de ce qu'ils font. Donc il n'y a pas de méside, il n'y a pas quelqu'un qui fait de façon intentionnelle, parce qu'ils ne sont pas conscients, les gens, de ce qu'ils sont en train de faire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, lui, il peut, Rabbi Shimon lui dit, lui, il peut être poter, le olam entier du din. Lui, il peut acquitter le monde entier de la rigueur. C'est-à-dire que il peut venir et dire, voilà, tous les gens, ils sont pas tours de dîn, c'est-à-dire je les exempte de tout jugement. C'est-à-dire je dis, voilà, tout jugement, il n'y a pas de jugement sur personne. Rabbi Shimon, il dit, moi, je peux acquitter tout le monde du jugement, il n'y a pas de problème. Mais la Gemara, il dit, donc, Sachim, Rashi, il dit, comment il va faire ça? Comment il acquitte le monde du jugement? Il va prouver que tous les gens, ils sont des chikorim, ils sont sous. Ils savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça qu'il va les acquitter. Comme aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose, première chose, c'est d'abord les trucs psychiatriques. D'abord voir s'il est normal. S'il n'est pas normal, hôpital psychiatrique, et c'est tout. On ne peut pas le mettre en prison, ça, de toute façon, ça ne va servir à rien. Tu vas le mettre en prison, ça ne sert à rien. Il est fou. Donc, pour que la prison serve à quelque chose, il faut qu'il soit conscient, le bonhomme. Que ça le dérange d'être en prison, que ça lui fait quelque chose. Mais si maintenant la personne, elle a perdu la tête, il est fou, ça ne sert à rien de le mettre en prison. Tu ne vas rien gagner avec ça. Donc Rabbi Nachman, lui, il te dit, voilà, moi, il n'y a pas de condition d'admission. Tu me fais confiance, tu viens chez moi, c'est tout. Le reste, t'occupe pas. Moi, je vais m'occuper de toi, j'ai pas besoin de ta participation. Ta participation, elle n'a aucun sens. Ce que j'ai besoin, c'est que de ta participation, c'est rien que la émouna, c'est tout. J'ai besoin que tu aies confiance en moi, c'est tout. Que tu aies confiance que je vais te soigner, que je vais te guérir, c'est tout. Comme il a dit Rabbi Nachman à ses élèves, quand il a vu que quand les élèves ils ont vu qu'il allait quitter ce monde, alors ils ont dit, mais Rabbi, vous nous laissez tout ça. Alors Rabbi dit, moi je ne vous laisse pas. Il dit, je ne vous laisse pas, je reste avec vous. Il dit, ceux qui sont morts avant que moi je meure et qui sont arrivés là-bas, eux peut-être ils étaient un peu inquiets, bien que Rabbi Nachman il intervenait là-bas comme il intervenait ici, ça ne change rien du tout pour lui. Mais les élèves, ils peuvent être inquiets parce qu'ils disent, ah, il n'y a personne pour nous accompagner et tout ça. Il dit, mais maintenant que moi je suis là-bas, de quoi vous allez vous inquiéter? Ne vous inquiétez pas. Je reste avec vous ici et en même temps je suis là-bas. Alors qu'est-ce que vous avez à vous faire du souci? Vous avez besoin de faire du souci. Donc maintenant, tous les tzadikim qui avaient une exigence minimale, c'est parce que leur Torah, elle a une emprise du Olam Hazeh. C'est-à-dire, il y a un peu de logique dans leur Torah. Un petit peu de logique. C'est-à-dire un petit peu de midot, de mesure, dans la compréhension de cette Torah. La Torah de Rabbi Nachman, il n'y a pas de logique dedans. Il n'y a pas de mesure et il n'y a pas de logique. Il y a des Torahs dans l'Écouté Moharan, où Rabbi Nathan il dit
que quand il a donné à Rabbeinu à corriger la Torah, Rabbeinu il a enlevé des passages dans la Torah. Et quand il a enlevé ces passages, tu ne comprends plus rien dans la Torah avec les passages qu'il a enlevés. Mais il les a enlevés. Parce que Rabbeinu, ce n'est pas la logique. Ce n'est pas avec la compréhension de la Torah qui te répare. C'est avec la Emouna que tu as quand tu étudies la Torah. Quand il y a l'Emouna du Klal qui dit Avraham ben Nachman, Moshe Mashiach, c'est-à-dire si tu as la Emouna que Rabbi Nachman c'est le tzaddik de la génération et que c'est lui qui décide ce qui se passe dans tous les mondes en tant que tzaddik qui dirige la génération, cette Emouna-là, elle suffit pour que le texte il agisse sur toi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Parce que si tu avais besoin de comprendre, ça veut dire qu'on attend de toi, première étape, compréhension, deuxième étape, engagement et action. Si maintenant je t'explique quelque chose pendant une heure, tu expliques, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Qu'est-ce que j'attends après? C'est que tu le fasses. Rabbi Nachman, quand il te dit une Torah, il n'attend pas que tu fasses quelque chose. Juste cette Torah-là, si tu as la Emouna, que lui, c'est le tzaddik de la génération, cette Torah, elle va agir sur toi. Elle n'a pas besoin de passer par ton cerveau pour agir sur toi. Ton cerveau, c'est juste l'outil pour pouvoir lire et avoir accès à l'enseignement. Mais ce n'est pas la compréhension que tu vas avoir de l'enseignement qui va faire que l'enseignement, il va agir sur toi. L'enseignement, il agira sur toi dans ton degré d'émouna par rapport à Rabbi Nachman. Si maintenant tu as une émouna, tu as confiance totale en lui, tu dis lui c'est mon Rab, c'est lui qui décide tout pour moi, alors et quand tu étudies, la Torah elle agit sur toi. Comme quand j'ai mis le slogan dans Breslev.fr, j'ai mis j'écoute, ma vie change. C'est tout. J'ai pas dit je comprends, oui. J'ai dit aux gens, des fois des gens ils ont des problèmes, je dis regardez, écoutez les shiurim, telle Torah ou telle Torah qui parle de cette chose-là. Alors les gens ils écoutent et après ils voient qu'il y a un changement. Mais ils disent mais j'ai rien fait. Ils disent mais tiens, tu as fait, c'est que tu as écouté, c'est tout. Ils disent quoi, avec ça suffit. Mais j'ai rien à faire, mais c'est ça que tu vas faire, tu vas écouter, c'est tout. Tu vas écouter et tu vas avoir confiance que ça marche et ça va marcher. Comme ils disent dans les médicaments qu'ils ont vérifiés, ils ont dit tu donnes un vrai médicament à quelqu'un et tu lui dis que c'est du placebo. Alors le médicament il marche pas. Tu donnes du placebo à quelqu'un, tu lui dis que c'est un médicament, il marche. Et comment il marche le médicament? Le médicament il marche de la confiance que tu as en lui. Si tu as confiance qu'il va marcher, alors il va marcher. Si tu n'as pas confiance qu'il va marcher, il ne va pas marcher. Maintenant, cette Torah, c'est pas une Torah de logique. C'est pas la peine que tu te casses la tête. Si tu veux te casser la tête, casse-toi la tête, il n'y a aucun problème. Tu peux réfléchir, trouver des chidouchis, mais tout, c'est extraordinaire. C'est pas qu'on t'empêche de faire ça. Tu peux faire dedans chaque lavétaria, essayer de comprendre et de trouver des gamatriantes, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qui va faire l'effet de la Torah sur toi. L'effet de la Torah, il est mesuré dans le degré de confiance que tu as dans Rabbi Nachman, c'est tout. Si tu as confiance en lui, même si tu ne comprends rien, la Torah elle va agir sur toi. Si tu n'as pas confiance en lui, même si tu comprends logiquement l'enseignement, ça ne te servira à rien. Parce que tu vas le traiter comme tu traiterais un autre enseignement. Et toute la grandeur de cet enseignement, c'est qu'il va dépasser toute logique pour te soigner. Non, lave ta frappe. Tu vas le connaître. Tu vas connaître des choses qu'il a dites. Tu vas connaître un conte, tu vas connaître sa vie. Tu vas connaître... De toute façon, c'est pas toi qui le connais, c'est lui qui te connaît. C'est lui qui t'approche de lui, c'est pas toi qui t'approche de lui. Tu comprends? Tu peux tourner en rond pendant des années. Il y a des gens, ils disent, écoutez, Moran, tout ce que tu veux.
Mais ils ne s'approchent pas de Rabbi Nachman. Jamais ils vont au Man, jamais. Ça ne bouge pas chez eux. C'est lui qui ouvre, c'est pas toi qui ouvre. Et celui, lui, il ouvre, il peut te rapprocher avec n'importe quoi. Il n'a pas besoin que tu aies un rapport avec son enseignement, que tu crois que tu as compris quelque chose. Mais seulement, quand tu vas t'attacher à lui, après l'enseignement, il va commencer à briller. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas voir des choses extraordinaires, tu vas voir des rapports avec tout. Après n'importe quoi que tu étudies, une Gemara, le Chumash, Rashi, n'importe où, tu vois des liens entre toutes les choses et tout. Et ces liens-là, ils viennent de quoi? Ils viennent du fait que l'enseignement, il te connecte. Il te connecte à toute la Torah entière, à toute la logique de la Torah. Après, tu es connecté à toute la Torah. Et tu peux, comme il fait Rabbi Nathan, il te prend une halakha, pashut, logique, claire, compréhensible. Et avec ça, il t'ouvre des olamot, des mondes entiers à partir de cette logique-là. Une fois que la connexion s'est ouverte, après tout est ouvert. C'est-à-dire que tu vas comprendre des choses partout. Mais ce n'est pas ce que tu comprends qui te rapproche de lui. Tu peux comprendre beaucoup de choses et tu ne te rapproches pas. Il y a des gens qui sont des grands érudits, qui étudient les livres de Rabbi Nachman et tout, et te disent, il n'y a rien à dire, c'est un niveau très très élevé. C'est un niveau très élevé qui dépasse tous les enseignements et tout. Il voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas ça qui les fait s'engager. C'est-à-dire ça ne leur crée pas une connexion. Parce qu'ils traitent ça comme ils traitaient autre chose. C'est comme Bezrat Hashem, quand tu vas te marier, ou tu es marié, ou tu vas te marier. Quand quelqu'un, tu te rends compte sa femme, maintenant, si tu lui demandes logiquement pourquoi il aime cette femme-là, il veut se marier avec elle, il n'y a pas de logique. Il y en a des millions de femmes. Pourquoi il se marie avec cette femme-là? Il n'y a pas de logique. Je dis, voilà, c'est elle que j'aime, je me marie avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Rien, c'est ma femme, c'est tout. Maintenant, tu vas essayer d'étoffer, de dire, ouais, le truc... Elle a des bonnes midantes, elle a ça, elle est gentille, elle est truc, elle a un diplôme, elle a ce que tu veux. Tu peux trouver plein d'arguments logiques, mais c'est pas ça qui va te faire te marier. Parce que même si tu trouves quelqu'un qui a toute la logique qu'il faut, d'après tes exigences logiques, tu ne te marieras pas avec elle. Parce que s'il n'y a pas une autre dimension, tu ne te marieras pas. Même si tu dis, voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Je veux qu'elle mesure 1m75. Je veux qu'elle pèse 82 kilos. Je veux qu'elle ait les yeux bleus. Je veux qu'elle ait les cheveux verts. Je veux qu'elle ait des lunettes de soleil. Je veux que ça. Je veux qu'elle habite en Israël. Je veux qu'elle aime prier. Je veux qu'elle ait déjà fait le Tehillim 10 fois dans sa vie. Mais ce que tu veux dans la liste, tout ce que tu veux, on te trouve quelqu'un qui a tout ça. Tu vas voir que ça ne suffit pas pour que tu te maries avec elle. Ça ne suffit pas. Toi, tu crois que quand tu vas trouver tout ce que tu aimerais d'après ta logique, ça va donner l'être parfait pour toi. Mais ce n'est pas vrai. Combien de gens, ils voulaient se marier avec des femmes, ils avaient des critères, et les femmes avec qui ils sont mariés, c'est le contraire de ce qu'ils voulaient. Il voulait une grande, celle-là, elle est petite. Il voulait qu'elle soit mère, elle est grosse. Il voulait qu'elle soit riche, elle est pauvre. Il voulait qu'elle habite en Israël, elle habite en Australie. Il voulait rien, rien. Il y a ça, pas de rapport. Il s'est marié avec elle. Pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que je l'aime, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a trouvé? Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas. Je l'aime, c'est tout. J'ai envie de me marier avec elle. Qu'est-ce que je te dis? Il n'y a pas de logique. C'est la même chose. Le lien avec le tzaddik, c'est la même chose. Il n'y a pas de logique. Du moment où le tzaddik il a décidé que tu vas te rapprocher de lui, il va te rapprocher. Et il va te créer un lien avec lui. Et après, maintenant, ce lien-là, tu le développes comme tu veux. Tu le développes comme tu veux. Il y avait souvent dans Breslev ça, des gens qui étaient à côté de Rabbeinu, quand Rabbeinu il parlait et tout, mais des gens ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien du tout à ce que Rabbeinu disait. Et même Rabbeinu, des fois, il faisait des enseignements. On faisait qu'il y a une partie des gens qui n'entendent rien du tout de ce qu'il est en train de dire. Et d'autres qui entendent. Dans la même assemblée, il y avait des gens qui entendaient, des gens qui n'entendaient pas. Dans le même groupe de gens qui étaient présents. Et il y a des gens qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'ils disaient dans les enseignements. Mais ils étaient complètement illuminés comme ça, tu vois, ils brillaient.
Il brillait juste de la présence, du contact, c'était pas de la logique de la chose. Alors, une fois que nous, on a cette chose-là, alors après, on utilise toute notre logique pour approfondir la connexion, tu vois, pour rendre la connexion plus intense après. Mais ce n'est pas la logique qui te donne l'accès. L'accès ne vient pas de la logique. Le développement, après, tu as le droit à la logique. Comme Adam Arishon, tu rentres dans Shabbat, tu fais kiddush sur le Etz Hadaat Tovera. Tu rentres pas dans Shabbat, tu n'as pas le droit de manger de la connaissance du bien et du mal. Parce que tu vas te paumer complètement. Shabbat, c'est le tzaddik. Tu rentres chez le tzaddik, tu t'attaches au tzaddik, toute la Torah, elle t'est permise, tu peux pile-pouler dans la Torah autant que tu veux. Du moment où tu es dans Shabbat, ça va faire que développer, c'est tout. Tu n'es pas dans Shabbat, tu commences à réfléchir, ça va te faire des catastrophes. Parce que tu vas réfléchir, tu vas utiliser de la Torah avec ton cerveau. Ton cerveau est dans l'état où il est. Tu vas manipuler ces choses-là, tu vas arriver à des choses qui sont des contradictions, des choses terribles. Qu'est-ce que tu voulais demander ? Si on a les moyens tout seul de quoi ? De s'attacher à Dieu. Oui. C'est-à-dire, c'est la question que tu demandes dedans, tu as la réponse. Vous avez compris qu'est-ce qu'il demande ? Il demande, si je peux m'attacher à Dieu, est-ce que maintenant je m'attache à Dieu ou bien je m'attache au tzaddik ou à Dieu ? Ça n'existe pas. C'est ça que je veux te dire. C'est que ça n'existe pas. Vayaminu Bashem, Moshe Avdo. Tu peux pas avoir accès à Hachem sans le tzaddik. C'est comme si tu dis aujourd'hui que quelqu'un il veut se convertir au judaïsme. Voilà, il y a une dame de Bordeaux, elle m'a envoyé un message aujourd'hui, elle m'a dit, Baruch Hachem, je me suis converti et tout, j'écoute les shiurim tous les jours, les shiurim de Rabbi Nachman et tout, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il me faut et tout. Maintenant, quelqu'un, aujourd'hui, il veut se convertir. Il faut qu'il passe par un Bet Din du Ham Israël. C'est-à-dire, le Ham Israël, il a l'exclusivité de la connexion avec la Torah. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas faire la Torah comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas prendre le Shulchan Aruch, tu fais les Tariag Mitzvot, et voilà, tu as fait les Mitzvot, tu n'as rien fait du tout. Au contraire, si quelqu'un il n'est pas converti, il fait Shabbat, il est Chavayv Mita. Il dit, mais attends, pourquoi vous me faites ça ? Quoi, je suis Chayav Mita condamné à mort parce que j'ai voulu faire Shabbat. Mais vous parlez du Shabbat tout le temps, que c'est super et tout. Pourquoi je ne peux pas faire le Shabbat ? Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas la connexion. Donc tu n'as pas le droit de rentrer là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que tu fasses Shabbat. C'est parce que ça va te détruire. Le Shabbat, il va te détruire. Si tu n'as pas les codes d'accès, il va te détruire le Shabbat. Pourtant, tu dis le Shabbat, mais c'est extraordinaire, oui. C'est extraordinaire pour quelqu'un qui a le code d'accès. Mais quelqu'un qui rentre sans la connexion, ça va le détruire. Donc maintenant, quelqu'un qui n'est pas juif, s'il veut devenir juif, il faut passer par le Ham Israël. S'il veut vivre la Torah, il faut passer par un Bet Din du Ham Israël. Parce que du moment où nous, on a eu Matan Torah, Hachem nous a donné l'exclusivité de la connexion à la Torah. C'est impossible d'avoir un accès à la Torah sans passer par le peuple juif. Et ça, c'est accepté par tout le monde. Il n'y a personne qui dit, bon, vous ne voulez pas me convertir, tant pis, moi je fais la Torah et c'est tout, je n'ai pas besoin de vous. De toute façon, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes là, trois personnes qui me disent, qui voient que je rentre au mikvé, voilà, moi je vais aller au mikvé tout seul, et je fais les mitzvot et tout, ben il n'a rien fait. Il va être hors connexion toute sa vie, ça ne lui sert à rien, au contraire, ça va le détruire. Là, les mitzvot qu'il va faire, elles vont le détruire. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a des accès, il y a des accès qui sont des accès de connexion spirituelle. Et que tu ne peux pas jouer avec ces choses-là si tu n'as pas la connexion. Parce que c'est extrêmement dangereux. Maintenant, ce principe qu'il y a avec les nations, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'est le même principe qu'il y a entre le Ham Israël, Hachem et le Tzaddik. C'est la même chose. Tu ne peux pas avoir accès à Hachem sans le Tzaddik. C'est impossible. Impossible. Il n'y a pas de connexion. C'est du judaïsme hors connexion. Comment on peut imaginer que
personnes qui ne sont pas en connexion totale ou partielle avec Rabbi Nachman, qui ne sont pas connectés avec Hachem. Comment vous pouvez imaginer ça? Ben je vous donne une chose très facile à imaginer. Ceux qui n'étaient pas connectés avec Moshe Rabbeinu, ils sont restés en Égypte. 80% du peuple Israël, ils sont restés en Égypte. Ils sont morts en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. C'est tout. Ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu, ils sont sortis. Ceux qui n'étaient pas avec Moshe Rabbeinu, ils ne sont pas sortis. C'est tout. Il n'y a pas eu de... Ils ont tous vu la même chose, ils ont tous vu les plaies, c'est pas que 20% qui ont vu les plaies de l'Égypte. Tout le monde a vu. Tous les gens qui étaient là-bas, ils ont vu. Mais il y a celui qui a vu et qui s'est connecté, et celui qui a vu hors connexion. Donc il n'a rien vu, les mains. Il y a celui qui va voir que, par exemple, quand les terroristes ils tirent, je sais pas, 700 roquettes ou 1000 roquettes, il n'y en a aucune qui tombe sur personne. Et que c'est un miracle. Et il y en a d'autres qui vont dire, ouais, ils ne savent pas viser, c'est tout. Ils ne savent pas viser, c'est pour ça que... Mais c'est pas vrai. Même un enfant de 5 ans, vous lui mettez 1000 roquettes à tirer, il y en a bien une qui va tomber sur quelqu'un. Parce qu'il ne sait pas viser, justement. Et il va tirer n'importe comment, ça va bien, il y en a bien une qui va tomber sur quelqu'un. Et s'il n'y a rien qui tombe sur personne, même eux, ils disent, même les musulmans eux-mêmes, ils disent, mais vous ne voyez pas que ce peuple-là, il est protégé par Hachem. Vous ne vous rendez pas compte, vous tirez des centaines de roquettes, ça ne tombe pas sur des gens. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne vous rendez pas compte. Même ça, vous, si vous voulez, vous ne le voyez pas. Il y a beaucoup de gens qui sont en Israël, qui sont des juifs et tout, ils ne voient pas ça. C'est-à-dire, le mode de vie qu'ils ont, il les empêche de voir ça. Ah, maintenant, le tzaddik, c'est la connexion exclusive avec Hachem. Mais pour vous répondre aussi, M. Corsia, plus dans, d'une façon moins extrême que ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut savoir que les paroles du tzaddik, elles sont partout, elles circulent partout. C'est-à-dire, ne croyez pas que vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas Rabbi Nachman, ne croyez pas qu'il ne connaît pas complètement. Il connaît un petit peu. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça passe d'abord par le tzaddik Yesod Olam. C'est-à-dire le tzaddik Yesod Olam, c'est le lien entre l'infini et le fini. Où est-ce qu'il loge le tzaddik Yesod Olam? Si vous faites Sipur HaMasiyot, vous allez voir là-bas ou dans les sept mendiants, vous verrez que le tzaddik, il loge à l'endroit qui est la fin de la matière et le début de l'infini. C'est ça son c'est là où il habite. Il habite à l'endroit où l'infini et le fini se touchent. C'est-à-dire que tout ce qui passe de l'infini vers le fini, ça passe automatiquement par lui, entre ses mains. Rabbi Nachman, il l'a dit, tu vois, il a dit à quelqu'un, tu vois, il y a quelqu'un au marché d'Odessa là-bas, il est en train de vendre maintenant il est en train de vendre de la farine. Ça aussi, c'est moi qui fais. Il y a quelqu'un qui est en Australie maintenant, il est en train de pêcher de la truite, c'est lui, c'est Rabbi Nachman qui fait. N'importe où. C'est-à-dire, il est, si vous voulez, la jonction entre le fini et l'infini. Il est un homme qui est presque infini, puisque comme on dit dans Tehilim, Isha Elohim, Moshe, Isha Elohim, on dit dans les Tikkun HaKlali, Moshe, Isha Elohim, Moshe, l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est un homme divin, c'est pas un être humain normal comme tout le monde. Il est aussi un être humain, mais il y a un autre côté où il n'est pas un être humain du tout. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un côté qui est complètement dans l'infini. Il a un côté qui est dans le fini et un côté qui est dans l'infini. Donc tout ce qui passe la frontière, si vous voulez, de l'infini au fini, ça passe par lui. C'est obligé, c'est comme ça que c'est construit. Le monde, il est construit comme ça. Donc, il n'y a rien dans le monde qui n'ait pas un contact conscient ou inconscient avec Rabbi Nachman, à n'importe quel niveau. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, il peut avoir accès à la Torah, il peut étudier la Torah, il peut monter en Eretz Israël, il peut faire beaucoup de choses, sans savoir que c'est Rabbi Nachman qui lui a donné ça. Et qu'il arrive à étudier la Torah, il arrive à faire Shabbat, il arrive à prier, etc. Mais il ne sait pas que ça vient de là. Non, si le tzaddik qui lui ouvre la porte, il lui ouvre le cœur, alors il va savoir que ça vient de là. Alors ça, là, ça devient autre chose complètement.
C'est-à-dire tout est optimisé après. Après c'est l'optimisation, si vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un accès dans, parce que la Torah du tzaddik qui vient de Atika Stima, c'est-à-dire cette Torah qui vient de Ahava Shebedaat, c'est-à-dire cette Torah qui vient de l'amour absolu d'Hachem pour sa créature, pour sa création. Cet amour-là, le tzaddik, il rentre cette Torah aussi dans des mesures. Aussi dans des mesures. C'est-à-dire, quand vous vous connectez à lui, vous avez le droit de rentrer dans des mesures. Et c'est même une mitzvah de rentrer dans les mesures après. C'est-à-dire d'essayer de comprendre le plus logiquement possible tout ce qu'il a dit. C'est une mitzvah après, de rentrer dans la logique des choses. Mais avant, il faut que vous rentrez dans Shabbat. Rentrer dans Shabbat sans toucher le Etz Hadaat Tovera. C'est-à-dire, il faut que l'accès, il soit sans compréhension. Il faut qu'il soit inconditionnel. Si vous voulez recevoir un tikkun inconditionnel, il faut que l'accès, il soit inconditionnel aussi. C'est que comme ça que vous recevez un tikkun, n'importe comment que vous êtes. N'importe comment que vous êtes. Il y a des Breslevers qui parlaient aux gens, ils leur disent, regardez, rapprochez-vous de Rabbi Nachman et tout, parce que si quelqu'un comme moi, il est arrivé à le réparer, vous, c'est rien du tout de vous réparer. Vous, c'est rien. S'il a réparé quelqu'un comme moi, sachez que vous, c'est rien du tout. C'est-à-dire, il y a des Breslevers qui parlaient aux gens comme ça, pour que les gens ils soient conscients que le tzaddik qui prend des gens dans n'importe quel état, lui, il n'exige rien de vous, que la émouna, c'est tout. Mais quand vous dites s'approcher de Dieu ou s'approcher du tzaddik pour s'approcher de Dieu, c'est pas chayar s'approcher de Dieu sans le tzaddik. C'est pas chayar. Même les chrétiens, ils ont compris ça. Ils ont pris un juif pour qu'il leur serve d'intermédiaire. Mais lui, il les a embrouillés parce qu'au lieu d'être intermédiaire, il est devenu patron, c'est tout. Mais lui, normalement, il a utilisé l'image du tzaddik. C'est-à-dire que de savoir qu'on a besoin du tzaddik. Et c'est pour ça que tu entendras beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais les chassidim, ils font un vodazara. Ils font un vodazara du rabbi. Ils disent qu'ils adorent le rabbi et tout, mais c'est de la vodazara. » Parce que c'est sûr que si eux, ces gens-là, ils adorent leur rav comme nous, on aime Rabbi Nachman, c'est de la vodazara. Parce que leur rav, il peut jamais faire ce que Rabbi Nachman il peut faire pour eux. Donc le Rav, s'il aime, comme nous on aime Rabbi Nachman, et comme on se soumet à Rabbi Nachman, c'est de la Avodah Zara. Pourquoi ? Parce que le Rav, il est plein de défauts, et il est plein de logique aussi. Et tout ce qui est logique, c'est Avodah Zara. Si maintenant il y a un culte de la compréhension logique, c'est de la Avodah Zara. C'est pour ça que les gens, quand ils disent ça, ils n'ont pas tort. Comme Rabbi Nachman il dit, que ce qu'ils disent, comment ils me voient, et ce qu'ils disent sur moi aussi je suis d'accord sur ce qu'ils disent. Parce que eux, comme ils me voient, ils pensent que je suis comme ci ou comme ça. Alors ils ont raison de dire ça sur moi. Mais ils ne me connaissent pas, c'est tout. Ils ne savent pas qui je suis. S'ils savaient qui je suis, jamais ils diraient ça sur moi. Ah, donc ce principe-là, qui vient à l'émincer de cette déviation du judaïsme qu'a eu la Avodah Zara du christianisme, qui est venu de ça, l'émincer c'est un juif, qui s'est présenté comme le tzaddik de la génération, et qu'au lieu d'être soumis à Hachem, il n'avait pas le degré de soumission à Hachem qui était exigé pour pouvoir être un contact parfait entre le fini et l'infini. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est pas quelqu'un, n'importe qui ne peut pas prendre ce poste-là. C'est un poste qui est unique dans les générations. Il y a eu 5 personnes comme ça dans le monde, c'est tout. Il n'y a pas eu des centaines de gens comme ça. Il y a eu 5, c'est tout. 5 tzaddikim. Il y a eu Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Arizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, c'est tout. C'est les 5 qui étaient complètement transparents par rapport à Hachem. C'est pas des gens qui avaient le moindre voile, c'est-à-dire la moindre présence de par eux-mêmes. Ils n'existaient pas de par eux-mêmes. On ne peut pas imaginer ce que c'est, mais si vous étudiez les Sfarim de Rabbeinu, surtout les Sfarim de Chaye Moharan, et Alim Latroufa, Chaye Meyeme Moharanat, et les Sichot Aran, tous ces Sfarim-là, d'ailleurs ils ont sorti maintenant en français une nouvelle édition du Chaye Moharan, comme ça un gros volume en français Chaye Moharan. Vous allez voir que Rabbi Nachman, il est,
vous allez voir que c'est pas quelque chose, c'est pas un homme que vous pouvez l'attraper avec de la logique ou autre. C'est un homme lui-même, il vivait dans une soumission totale et permanente. C'est-à-dire jamais la compréhension, elle n'a pris de place chez lui. Jamais il est resté avec une compréhension de quoi que ce soit. Rabbi Nachman, il vivait que en connexion. Jamais il stockait quoi que ce soit dans son cerveau. Jamais. Jamais il vivait avec du stock de compréhension. C'était toujours renouvelé, chaque seconde. Chaque seconde, tout était renouvelé, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était toujours des chidushim, sans arrêt, de la compréhension nouvelle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avec une certitude en même temps de ne rien savoir du tout. Les deux en même temps. En même temps, une quantité de connaissances énorme, énorme. C'est-à-dire surhumaine, comme tout le monde témoignait que quand Rabbi Nachman il enseignait quelque chose, tout le monde voyait qu'il connaissait toute la Torah entière. Il avait toute la Torah entière devant lui. Ça, tout le monde le voyait. Des fois, quand il y avait des réunions avec des rabbanim que par exemple ils avaient oublié un tosfot dans le chasse ou n'importe quoi, Rabbi Nachman disait tout de suite. Il disait tout de suite où ça se trouve. Il avait tout devant lui. Mais c'était pas une compréhension de stock. C'était une compréhension de connexion. Ça s'appelle Chokhmat Lev. Ça s'appelle pas le Chokhmat du Moir. C'est le Chokhmat du Lev. Comme quelqu'un qui venait travailler au Mishkan. Quelqu'un qui veut travailler dans le Mishkan. Quand les gens ils venaient pour tisser, ou pour souder des choses, ou pour faire tout ce qui se faisait dans le Mishkan. Vous croyez que les gens qui avaient là-bas, ils avaient une formation pour faire ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas de formation. Ils avaient ce qu'on appelle Chokhmat Lev. Et la Torah, elle te dit, voilà, tout celui qui avait Chokhmat Lev, il venait travailler. Qu'est-ce que c'est la Chokhmat Lev? C'est la connaissance de la connexion. C'est quand tu sais vivre avec du download, pas avec du stock. Tu n'as rien dans le disque dur, rien. Tu as de la Wi-Fi. Et tu downloads, c'est tout. Tu as besoin, tu downloads. Chaque fois que tu as besoin, et tu stockes rien, tu jettes tout. Tu jettes tout, tu gardes rien. Rien. Tu n'as rien. Tu gardes rien du tout. Tu as besoin de quelque chose, tu le télécharges. C'est comme ça qu'il fonctionnait dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan. Ceux qui venaient travailler, ils faisaient des choses qui étaient extrêmement... C'est-à-dire il fallait être un artiste pour faire ce qu'ils faisaient. Il fallait vraiment être un artiste. Mais c'était des gens que eux, ils n'avaient pas, ils avaient pas la connaissance du métier. Ils avaient l'amour du métier, c'est-à-dire le vécu du métier. C'était leur métier qui était la chokhma du cœur. Maintenant, nous, on ne connaît pas la chokhma du cœur parce que Adam Harishon, il a mangé du Etz Hadaat Tovera avant de rentrer dans Shabbat. Maintenant, ça veut dire que c'est une méthode qui n'est pas connu du monde. Les gens ne connaissent pas cette méthode-là. Et si tu leur dis cette méthode-là, les gens ils vont se moquer de toi, parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi ces chokhmat lev? C'est quoi, ça veut dire quoi la chokhmat du cœur? La chokhmat du cœur, c'est que de l'émotion, le cœur, etc. Mais c'est pas vrai. Le cœur, c'est pas de l'émotion. Le cœur, c'est un outil de connexion. Le cœur, il peut se connecter à l'infini. Dans le cœur, tu peux rentrer de l'infini. Dans le cerveau, tu ne peux pas rentrer de l'infini. Dans le cœur, tu peux rentrer de l'infini. Tu peux savoir des choses à l'infini. À l'infini, il n'y a aucune limite. L'Avdil, si tu prends Google, par exemple, tu demandes un truc, il te dit, voilà, 3 millions de réponses en 2 secondes. Où c'est tout ça? Où elles sont? Elles sont dans des serveurs. Où ils sont? Tu ne sais pas où ils sont. Il y a des serveurs en haut. Des serveurs où tout ce qui a été dit comme Torah dans le monde... C'est dans ces serveurs-là, en haut, dans le ciel. Rabbeinu, il appelle, il y a en haut un lève à Elion, un cœur d'en haut énorme, où il y a tout ce qui a pu se dire comme Torah dans le monde, c'est là-bas. Et les gens qui ont Chokhmat Lev, ils ont les accès, ils rentrent en connexion dans ce cœur-là, et ils téléchargent tout ce qu'ils ont besoin. Et même ce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont besoin. Combien de fois, vous verrez si vous enseignez la Torah, Bezat Hashem,
que vous enseignez d'abord à vos enfants, à votre famille, mais dans l'âme Israël, parce que c'est une mitzvah d'apprendre pour enseigner. Mais vous allez voir que si vous voulez enseigner, vous allez voir que Hachem, il vous prépare quand vous allez faire un shiur. Hachem, si vous avez besoin de certaines choses, il va vous les donner avant que vous fassiez le shiur. Vous allez entendre quelque chose, vous allez ouvrir un livre, vous allez voir un mot, vous allez voir quelque chose, il va vous préparer des éléments que vous avez besoin pour faire le cours. Il va vous les donner avant, vous ne savez même pas que vous avez besoin de ça. Il va vous les donner avant, parce que vous êtes en connexion. C'est-à-dire, il va vous devancer dans ce que vous avez besoin. Vous voyez Google, il vous dit, voilà, si tu es connecté à Google+, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, lui, il va te dire que dans l'endroit où tu vas aller maintenant, il n'y a pas ça, il y a ça, il y a ça, il y a truc. Lui, il va te devancer dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire, ce que se lève à Elion, quand tu te connectes là-bas, non seulement tu peux télécharger, mais des fois, lui, il t'envoie des choses avant que tu commences à télécharger, parce que tu ne sais même pas que tu vas en avoir besoin. Mais il te les envoie quand même. Ça s'appelle Chokhmat Lev. C'est comme ça qu'on travaille au Mishkan. Il n'y a pas des universités de formation pour les gens qui vont travailler au Mishkan. Ça n'existait pas. Le gars, il venait, il s'asseyait, il travaillait, c'est tout. Mais comment il pouvait faire des choses comme ça? Que c'était des choses qui étaient faites avec une oumanout incroyable. C'est-à-dire qu'il fallait être un artiste pour tailler les choses, pour graver ce qu'il y avait à graver, pour faire les kérouvim, pour faire la menorah, pour faire... Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extraordinaires au point de vue métier pour savoir faire ça. Et il n'y a personne qui n'a rien appris. Les gens, ils ne savaient rien. Et ils venaient, Chokhmat Lev. Il se connectait, il rentrait dans le truc, et voilà, il le faisait, c'est tout. Parce que ils avaient cette Torah qui n'est pas la Torah d'Adam Harishon. La Torah d'Adam Harishon, c'est on réfléchit, on apprend des choses, etc. Et après, on rentre dans Shabbat, on essaye de se connecter au Tachlit, etc. Mais ça, c'est la Torah d'Adam Harishon. Maintenant, elle est terminée. Dans nos générations, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des tzadikim qui sont exigeants, qui te disent, voilà, tu veux rentrer chez moi, c'est comme ça. Baal Shem Tov, il dit, tu veux être un talmid à moi, pas de problème, il faut que tu connaisses Shulchan Aruch par cœur. C'est tout, il y a besoin de ça, parce que lui, dans sa Torah, il y a une logique. Donc, il y a un minimum de logique, si tu n'as pas ce minimum de logique, tu ne rentres pas. Mais chez Rabbeinu, il n'y a pas de logique. Pas besoin. Pour rentrer. Après, tu veux utiliser la logique. Tu fais ce que tu veux. Mais pour rentrer, tu n'as pas besoin de la logique. Au contraire, tout ce qui est logique, ça va t'empêcher de rentrer. Plus tu vas être quelqu'un d'intelligent dans la logique, plus tu vas avoir des difficultés à rentrer chez Rabbi Nachman. Parce qu'il faut une soumission totale, sinon tu ne rentres pas. Il faut une abnégation totale de toute compréhension. Alors quand tu es un taré, tu n'as pas de problème, parce que tu ne sais rien, tu comprends. C'est Baruch Hashem, tu ne sais rien. On te dit, voilà, fais ça, tu dis d'accord, tu sais rien. Mais quand tu sais des choses, c'est difficile, très difficile. Va au Man, tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas religieux que des gens qui sont religieux, qui viennent. Tu vois le Rov de Ouman Rosh Hashanah, ce n'est pas des religieux, ce n'est pas des Haridim, le Rov de Ouman Rosh Hashanah. C'est ou des traditionalistes, ou mais ce n'est pas des Haridim, c'est des gens qui sont... Entre là et là, c'est pas des. Pourquoi? Parce que comme eux, ils savent rien. C'est pas difficile. Quand tu leur dis Rabbi Nachman, tu sais, ah oui, c'est vrai, ben je viens, pas de problème, il vient. Mais s'il sait des choses, tout ce qu'il sait, il va te poser 50 questions pour savoir comment ça marche, tu comprends? Parce qu'il a des référentiels, le bonhomme. Il a des références dans sa tête, tu comprends? Il est plein de références. Mais il me dit, mais qui c'est ce Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Rabbi Shimon, quoi, tu vas me dire Rabbi Shimon? Rabbi Nachman est plus grand que Rabbi Shimon. Là, attends, si tu commences avec ça, tu finis jamais. Là, il faut t'arrêter tout de suite, c'est même pas la peine de discuter. Parce que si le gars, il faut que tu lui remplisses toutes les références qu'il a dans sa tête pour qu'il veuille venir chez Rabbi Nachman, il dit reste là-bas, c'est mieux. Reste tranquille, c'est tout. Quand il voudra, il viendra te chercher. Mais reste tranquille. Parce que c'est pas en commençant à discuter qu'on va arriver à quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de logique. C'est pas quelque chose où avec la logique tu vas arriver à convaincre qui que ce soit. Il n'y a pas de logique. Et même dans les enseignements, ce qu'on fait passer, c'est le souffle du tzaddik. C'est pas la logique. Parce que dans la logique qu'on dit ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le souffle qui passe.
Ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part. C'est le souffle du tzaddik. C'est ça qui passe. Et c'est ça qui émerveille, c'est ça qui remplit le cœur, c'est ça qui donne la joie, c'est ça qui connecte. Ce n'est pas la logique. La logique, tu peux trouver des cours de logique qui sont mille fois plus élevés. Tu vas voir des gens, ils connaissent la Kabbalah, ils connaissent le Ramak, ils connaissent tous les Kitvei Arizal, tu peux faire des cours de technique extraordinaires, mais il n'y a pas Chokhmat Lev. C'est Chokhmat du Moach, c'est pas le Chokhmat du Lev. Et la Chokhmat du Moach, elle ne nourrit pas la personne. Pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui, de nos jours c'est terminé. Les gens ils se nourrissent plus de la logique. Les gens ils veulent vivre, les gens ils manquent d'affection, ils manquent d'amour, c'est de ça qu'ils manquent les gens. Il y a personne qui se plaint qui ne sait pas assez de choses. Tu vois quelqu'un qui manifeste, ouais, on ne sait pas assez de choses, il faut nous apprendre plus de choses, il n'y a personne. Mais tous les gens ils manifestent parce qu'ils veulent du shalom, ils veulent de la hava, ils veulent c'est ça qu'ils veulent les gens. Il n'y a personne qui dit on veut en savoir plus, on ne sait pas assez. On en sait 10 000 fois trop pour ce qu'on a à faire, pour les quelques dizaines d'années qu'on a passées ici. On en sait 10 000 fois trop. On n'a pas besoin de savoir des choses. Ce n'est pas ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est le contact. C'est ça que les gens ils cherchent. Donc une Torah dans laquelle il n'y a pas de contact, les gens, ça ne va pas les intéresser. Pas les intéresser du tout. C'est fini. C'est en voie de perdition. Qu'est-ce que tu voulais demander ? Ouais, vous avez parlé du Bachem Tov, vous avez dit qu'il faisait partie des saints. Ouais. Mais pourtant, apparemment, il y avait encore de la logique. Ouais. Alors, ça veut dire que c'était pas. C'est pas parce que c'était les. Eux, c'était les tzadikés et Soderola, même Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, c'était des tzadikés et Soderola. Ah, mais c'était pas. Ils sont pas arrivés à révéler la Torah Be'atika Stima de façon parfaite. Parce que d'exiger de quelqu'un qui connaisse le Shulchan Aruch par cœur, c'est pas grand chose par rapport à être un élève du Baal Shem Tov. C'est pas cher payé, comme on dit. Ou celui qui rentrait chez le Baal HaTanya, qui lui disait, si tu as raté une fois une tefila ben minyan depuis ta bar mitzvah, il te reçoit pas. Tu peux pas rentrer chez lui. C'est pas énorme. Il y a des gens dans l'âme Israël qui n'ont jamais raté une tefila ben minyan. Ça existe. Donc c'est pas cher payé par rapport à ce que. Mais il y avait quand même une exigence par rapport à la Torah de logique qu'il y avait. Donc il y a une exigence. Mais Rabbeinu, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de logique, donc il n'y a pas d'exigence. Pas d'exigence. Après, tu te développes à ton niveau, c'est tout. Tu avances comme tu veux. Mais ce n'est pas ce que tu vas faire qui va changer grand-chose. C'est-à-dire que lui, il va te réparer de toute façon. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui va changer grand-chose. Ne crois pas que tu participes à la réparation. C'est pas toi qui participes à la réparation. Lui, il te répare entièrement. Lui, il s'engage à ça. Il te répare, il te connecte. Et maintenant, si tu veux développer dans la Torah, et tu veux faire les mitzvot avec plus de dikdouk, comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ne te base pas sur ça pour croire que c'est ça qui va agir dans ta réparation. C'est pas ça. Ça part de rapport avec ta réparation. Le degré, je vous le répète parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on s'approche de Breslev, le degré d'action de la réparation, elle dépend de ton degré d'émouna dans le tzaddik, c'est tout. Plus il y a émouna dans le tzaddik, plus ça répare. Plus sa Torah te répare, plus il peut te réparer. Moins il y a émouna dans le tzaddik, moins il peut te réparer. Mais ce n'est pas ta part de logique qui va te réparer. Ta part de logique, c'est pas ça qui te répare. Mais si tu as émouna en lui, alors tu vas voir que le texte, il va s'ouvrir, tu vas voir que le texte il va être vivant, tu vas voir qu'il va se passer, que tu vas vivre le texte à l'extérieur. Rabbi nous l'a dit, aller avec une Torah, marcher avec une Torah. C'est-à-dire marcher avec une Torah. Tu marches avec une Torah, tu vis avec une Torah. Tu vas voir que quand tu vas faire une Torah, tu vas la trouver partout. La Torah, cette Torah, tu vas la trouver partout. Après, tu vas passer dans une autre, tu vas la trouver encore partout. Parce que tu vas vivre avec cet angle-là, de cette Torah-là. Et Rabbeinu, il voulait qu'on aille avec les Torahs. C'est-à-dire qu'on vive avec. Tu es dans une Torah, voilà, les Torahs même tête, avec tous les principes de la Torah même tête, et tu vois qu'on les vit. Je vous ai donné un exemple. Quelqu'un qui est avec nous, il est aux États-Unis, il suit les cours avec nous de la Torah même tête. Alors il m'a dit il y a un film juif qu'ils ont fait, et il m'a dit il a regardé ce film là et il m'a dit dans le film à un moment
ils étudient la Torah même tête, ils m'ont dit. Dans le film, à un moment, il y a deux gars, ils sont en train d'étudier l'écouté moral, ils étudient la Torah même tête. C'est-à-dire, c'est, voilà, on aurait été dans la Noun, ou dans la, il aurait vu un film où ils étudient la Torah Noun. Il y a pas, parce que le monde, il se façonne avec ça. Puisque c'est avant la matière, avant le dévoilement de quoi que ce soit. Donc ce n'est pas un problème. C'est pour ça qu'il peut te réparer. Parce que jamais tu peux atteindre des niveaux de destruction comme le niveau de réparation que c'est. C'est un niveau de réparation qui est au-dessus de tous les niveaux de destruction. Seulement il faut de la émouna. Il faut avoir confiance et il faut se soumettre. Sinon ça ne marche pas. C'est plus que de la émouna, il faut s'annuler complètement, il y a de l'ego. C'est ça la émouna. C'est ça la émouna. Qu'est-ce que c'est la émouna? La émouna, c'est la soumission. C'est l'annulation, c'est ça la émouna. Quand vous avez confiance dans quelqu'un, alors ça veut dire que vous êtes soumis, vous n'êtes plus vous-même. C'est savoir confiance. Vous vous incluez dans l'autre. Il n'y a plus d'ego, non. À quoi il nous sert le Lego? Le Lego, c'est, il vaut mieux laisser la main. Et il nous a fait beaucoup de problèmes dans notre vie, l'ego. C'est passé. En général, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des questions dans l'air, mais des fois, il y a un peu de décalage. C'est parce qu'on fait du streaming. Des fois, la question, des fois, elle vient, et après, la réponse vient un petit peu, juste un petit peu après. Des fois, c'est 2-3 minutes, des fois, un quart d'heure. Mais en général, il y a toujours la réponse. Mais ça fait rien, c'est des réponses Bessimra. Au contraire, ça ouvre le chiot. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles, qui sont des notions nouvelles dans le monde. Et c'est ça la difficulté que le monde a à adhérer à ça. Nous, on n'a pas de difficulté parce que Rabbi Nachman nous a sortis de fonds de poubelle. Donc, on n'a pas de problème. On savait vraiment rien du tout. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème. On n'a pas de difficulté. Mais les gens qui savent des choses et qui sont construits de leur savoir, très difficile pour eux. C'est très difficile parce que les gars, ils ont investi. Celui qui n'a rien investi, c'est facile. Il vient, il rentre, c'est la fête pour lui. Mais celui qui a investi, qui a fait des efforts, qui a fait attention, qui a fait ça, tu lui dis, regarde, c'est dommage tout ce que tu as fait parce que c'est gratuit. Il dit, comment? Je lui dis, c'est gratuit. Comment il a dit pour la parnassa, celui qui a travaillé, il voulait manger, il a travaillé toute la journée comme bûcheron pour manger. Alors, à la fin de la journée, le patron lui a dit, voilà, tu montes là-bas, tu leur dis qu'ils te donnent ton salaire, c'est-à-dire ton repas, tu as travaillé toute la journée, va prendre ton repas. Alors, il rentre là-bas, il dit, voilà, je viens pour le repas, il n'y a pas de problème, asseyez-vous, lui serve à manger. Et lui, il soupire, il était fatigué. Il dit, pourquoi tu soupires? Il dit, je suis fatigué. Il dit, de quoi tu es fatigué? Il dit, j'ai travaillé ce repas-là, tu sais quoi, j'ai travaillé, j'ai cassé du bois toute la journée pour avoir ce repas. Alors, le gars, il dit, non, il y a une erreur là, parce qu'ici, c'est une soupe populaire, ici. C'est gratuit de manger. Rabbeinu, il a dit, tu travailles pour rien et tu manges pour rien. Tu travailles pour rien. Le gars, il croit qu'il a fait des choses. Tu n'as rien fait. Tu ne les aurais pas faites, ça aurait été la même chose. Ça ne change rien. Ce n'est pas ça qui va faire, qui va te réparer ou pas. Ça ne change rien. Jamais Rabbi Nachman, il a dit, voilà, mais si tu fais ça, alors je te répare. Mais si tu ne fais pas ça, je ne te répare pas. Il n'y a pas ça. Quand il dit, viens faire le Tikkun HaKlali et Oman, il n'y a pas de condition. Il n'y a aucune condition d'adhésion. Aucune. Rien. Rien du tout. Il a dit Bémézide. Tu recommences pas. Bémézide. Il n'y a pas de condition. Si c'est une condition pour celui qui peut remplir cette condition, c'est-à-dire qui est normal, qu'il sait ce que c'est le Mézide. J'ai dit tout à l'heure au début du Kishio. Mais quelqu'un qui est un fou, comme 99,999% des gens, ça ne veut rien dire pour lui.
Ça veut rien dire quand tu lui dis tu vas pas recommencer, il te dit d'accord, et deux minutes après il recommence. Parce qu'il est fou, il sait pas ce qu'il fait. Donc on parle pas de ces gens-là, on parle des gens normaux. Et des gens normaux, il n'y en a plus. Donc on parle pas de ça. Tu connais quelqu'un qui prend des décisions et dit voilà, ça y est, maintenant, je vais devenir bien et tout. Vas-y, tu peux dire il faut. À partir de maintenant, je deviens bien. Tu peux dire je veux devenir bien. Ça oui. BMH, je voudrais. Mais ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu viens là-bas, il t'ouvre le cœur, il te donne envie de faire tchouva. Tu comprends? Mais tu peux avoir que l'envie, c'est tout. Quand tu vas passer à l'action, tu vois que le moteur, il ne démarre pas. Quand tu vas vouloir passer à l'action, tu vas avoir des blocages. Alors maintenant, si tu vis dans la logique, ces blocages, ils vont t'éloigner. Parce que tu vas dire, bon, que je ne suis pas capable. Mais si tu ne vis pas dans la logique, tu recommences 10 000 fois, ça ne te dérange pas. Tu vas 1000 fois au man, et tu peux voir aucun changement dans ta vie. Au contraire, tu peux voir que c'est pire qu'avant. Mais ça ne fait rien, ça ne change rien. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Si Rabbi Nathan, il te dit, voilà, moi Rabbeinu, il a dit, il ne faut pas venir en Gilgoul. Pourquoi il ne faut pas venir en Gilgoul? Parce que dans le Gilgoul, c'est qui tout double. Donc, comme il y a plus de chances dans génération de kit que de double, donc je ne mise pas, c'est tout. Je suis déjà là-bas, Rabbeinu, il a dit, tu dis devant le Beit Din Shel Maala, tu dis en haut, devant le tribunal, tu dis, voilà, moi je ne veux pas revenir. Il dit, ça veut dire que tu ne peux pas revenir? Non, moi je ne veux pas revenir sur Terre. Faites de moi ce que vous voulez ici, tout ce que vous voulez, mais moi je ne reviens plus dans ce monde-là. Je ne peux revenir dans ce monde. Et il a dit, si tu insistes, alors tu peux avoir cette faveur-là. Quand il dit, bon, il veut comme ça, alors ok. Alors tu vas passer par toutes les purifications qu'il y a. Au lieu de venir ici, d'essayer de faire des mitzvot et de t'arranger ici, que c'est beaucoup plus facile que là-bas, tu préfères là-bas, parce que le risque, il est trop grand. Donc ça, Rabbeinu, il a dit comme enseignement. Il a dit aux gens, voilà, sachez que c'est comme ça. Que l'attitude qu'il faut avoir, mais surtout ne revenez plus jamais dans ce monde. Refusez de revenir dans ce monde. Mais Rabbi Nathan, il te dit, si tu me garantis que je viens une fois ou man dans ma vie, faire tikkun haklali, je viens. Maintenant, le fait qu'il vient faire une fois tikkun haklali à Ouman, ça ne lui garantit rien de ce qui est à côté. Peut-être qu'il va naître à Kiryat Nordo et que c'est un vendeur de drogue et qu'il ne fait rien de sa vie, tu comprends? Tu ne sais pas où il va sortir. On ne sait pas, le parachute, quand il le lance, il ne sait pas où il va atterrir. Peut-être qu'il va naître dans une famille comme ça, peut-être qu'il va naître goy aussi. Il y a beaucoup de juifs qui naissent goy, qu'après ils doivent se convertir et tout. C'est des âmes juives, que ça fait partie du programme, qu'il doit naître chez les goyims, c'est tout. Et après il doit se convertir, etc. Ou il doit être un balchouva, et après il va revenir vers la Torah. Quelle chance tu as quand tu nais dans une famille qui n'est pas Shomer Torah ou Mitzvot, ou quand tu es dans une famille goy, quelle chance tu as de pouvoir découvrir la vérité, te convertir et te nettoyer, et faire tout ça. Les chances, elles sont minimes. Par rapport à le rof des gens, ils n'arrivent pas à ça. Donc tu n'as pas beaucoup de chance. Pourtant, Rabbi Nathan, il dit, il n'y a pas de problème, vous me garantissez que je fais une fois tikkun haklali à Ouman, je viens. Je prends le risque. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un tikkun haklali à Ouman, ça répare toute la vie, n'importe comment qui peut être sa vie. C'est pas important. Quand on te dit maintenant que quand tu reviens, tu t'engages à plus recommencer, etc., ça c'est le côté de la tchouva que tu peux faire, c'est-à-dire que ce que tu peux faire et ce que tu voudrais faire. Mais c'est pas ça qui empêche le tikkun. C'est pas ça qui empêche le tikkun. C'est-à-dire que même si la personne, elle revient d'Ouman, elle fait des avérotes pire qu'avant, elle retourne en Ouman, elle fait des avérotes, elle retourne en Ouman, et ça n'a aucune importance. Tu verras que cette personne-là, elle finira par avoir un tikkun dans ce monde, et si ce n'est pas dans ce monde, ça sera dans l'autre. Parce que le gars, il a fait le maximum de ce qu'il peut faire, c'est de retourner, c'est tout. Comme les Breslevers disent que des fois on ne voit pas de changement. Il y a quelqu'un, il fait khatsot tous les soirs et tout, et on ne voit pas qu'il change, on voit qu'il reste le même. Alors on lui a dit, mais voilà, tu te lèves à khatsot tous les soirs et on ne voit pas de changement, tu ne progresses pas. Il dit, vous n'avez rien compris, c'est que mon progrès à moi, c'est que le lendemain, je peux me relever une autre fois à khatsot. C'est ça qu'on me donne comme salaire. La tchouva, ma tchouva, c'est que je retourne en Oman et que j'ai envie de retourner. C'est ça que j'ai fait tchouva. C'est ça le siman que j'ai fait tchouva. C'est ça faire tchouva. C'est que j'ai envie de retourner.
Donc j'ai envie de retourner, ça veut dire que j'ai fait tchouva. Qu'est-ce qui vaut mieux, que tu reviens et que tu as envie de faire tchouva et de t'arranger et tu commences à travailler et tu n'as plus envie de retourner en Oman, ou tu reviens, ça ne marche pas et tu as envie de retourner en Oman? Il vaut mieux que ça ne marche pas et que tu as envie de retourner en Oman, plutôt que tu fais semblant de te prendre en main et sauf tu ne retournes pas. Tu ne retournes pas au Oman parce que maintenant, ça y est, tu commences à te sentir un peu mieux. Abrio, tu commences à te sentir un peu mieux, alors tu ne retournes pas. Tu dis non, maintenant ça va. Ça va maintenant, Baruch HaShem, ça tient la route et tout. Je peux te dire, si le Rebbe il était vivant, tu passes devant lui, tu vas voir si tu tiens la route. Tu vas voir qu'est-ce que veut dire si tu tiens la route. C'est pas. Rabbe nous l'a montré à des tzadikim, gmurim, des tzadikim qui faisaient des nissim, des tzadikim qui avaient aliyat neshamot. Rabbe nous leur a montré qu'ils ne savaient rien du tout. Mais ce n'est pas des gens comme nous qu'on va se... Le Icar, je vous le dis, je vous le répète, le Icar, c'est l'engagement dans la Emouna, dans le tzadik. Ça, c'est le Icar de tout. Plus vous aurez de Emouna dans le tzadik, plus vous allez grandir. Plus vous allez venir vous-même un tzaddik, plus il va vous réparer dans les midot, dans tout. C'est ça le degré de réparation. C'est l'engagement dans la emouna, c'est la soumission, c'est de ça que tu vas sentir. Tu vois Yoshua ben Nun, il est Yoshua ben Nun, Nahar, il est Nahar, c'est un adolescent avec tout ce que ça inclut comme problème d'être un adolescent. Pourtant, Loyamish Mitocha Oel bouge pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Et lui, il fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Et les autres, les Meraglim, c'était des grands rabbins, c'était des grands tzadikim, mille fois plus grands que Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, c'était pas un érudit comme les Meraglim. Je prends tous les Meraglim. Tous les explorateurs, c'était des tzadikim, c'était des princes de tribus. Ça veut dire, c'est des gens, c'est pas rien qui connaissait la Torah, c'est des tzadikim. C'est des gens, ils avaient une maîtrise de tout. Pour être le prince d'une tribu, tu vas pas, on prend pas n'importe qui. Et ces gens-là, c'est eux qui ont dit, on rentre pas en Eretz Israël. Et lui, qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit qu'eux, qui était mamash rien, un kegris, un petit grain par rapport à eux. Non seulement il a pas été cholek, il n'est pas rentré dans la marloquette contre Eretz Israël, mais il a fait lui-même rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Tout ça avec le kohar de Moshe Rabbeinu. Hachem lui a dit, tu prends un peu de ta lumière et tu le mets sur lui. Si maintenant tu t'engages avec le tzadik, il te donne de sa lumière à lui. Quand il dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash comme moi, comment Rabbeinu il va penser que des gens qui viennent de là où on vient, ils vont devenir des tzadikim comme lui? Comment c'est possible qu'ils vont devenir des tzadikim comme lui? C'est impossible. Comment c'est possible? Alvaï qu'on devienne rien qu'un juif kasher, qu'est-ce qu'un tzadikim comme Rabbi Nachman? Non. C'est-à-dire, par l'attachement à lui, tu peux, avec son souffle, il va te réparer. Et il va te faire vivre, tu vas vivre avec son souffle à lui, pas avec ce que tu es toi. Tu vas vivre avec sa connexion à lui. Et là, tu vas être capable de faire des choses qui sont grandioses, comme faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Alors que le Maaseh Yeshua, Yeshua Nar, tu étais un adolescent qui faisait des bêtises, comme tous les adolescents. Tu étais un jeune homme comme ça, avec tout ce que ça inclut comme bêtises. Et pourtant, il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. C'est lui qui a fait hériter la terre d'Israël au Ham Israël. Et c'était quoi? L'Oyamouche, il ne bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il était en connexion tout le temps. C'est ça le Rabbi Nathan, il dit que de ne pas bouger de la tente de Moshe Rabbeinu, ça ne veut pas dire que tu restes dans la yeshiva à l'intérieur tout le temps. Ça veut dire que tu es tout le temps connecté avec le tzaddik. N'importe où tu es, c'est ta vie, c'est-à-dire ton cœur, il est avec le tzaddik. Et si maintenant, ton cœur, il est avec le tzaddik, alors lui te répare avec cette Torah-là d'Atika Stima. Cette Torah d'Atika Stima, elle n'a aucune emprise dans la logique. C'est-à-dire, la logique, ça ne dérange pas du tout. Si Adam Harishon, il était rentré dans Shabbat, jamais le Eretz Hadaat, ça l'aurait dérangé. Au contraire, ça aurait été une mitzvah, ça l'aurait fait grandir, il aurait fait kiddush dessus, il serait devenu un génie, il aurait vu des choses extraordinaires.
Le même chose, mais seulement comme ça s'est inversé, ça a donné une catastrophe. Parce qu'il est rentré dans la connaissance alors qu'il n'avait pas, la soumission au Shabbat. Donc Shabbat, le tzaddik, ça s'appelle Shabbat. Eretz Israël, ça s'appelle Shabbat. Le Shabbat, bien sûr, c'est le Shabbat. Et ce sont des pôles de soumission. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans Shabbat sans soumission. Ça n'existe pas. Tu veux rentrer dans Shabbat, il n'y a pas. Tu prépares ton manger avant. Tu n'as pas préparé, tu ne manges pas, c'est tout. Il n'y a pas. Tu ne peux pas cuire du manger. Il n'y a pas, tu ne cuis pas. Il n'y a pas de la tête melachot, tu ne fais rien. Ou maintenant tu te soumets ou tu ne rentres pas dans Shabbat. Maintenant tu t'es soumis, tu as rempli les conditions d'accès dans Shabbat, tu rentres dans Shabbat. Une fois que tu es rentré dans Shabbat, tu peux utiliser toute ta logique, tout ce que tu veux après. Parce que maintenant c'est fini. Du moment où tu as chokhmat lev, toute la chokhmat du moar, toute la chokhmat du cerveau, jamais elle va te faire dévier. Jamais. Tu dévieras plus jamais. Tu vois Rabbeinu, quand tu rentres dans la Torah de Rabbeinu, tu vis avec la Torah de Rabbeinu, avec les enseignements de Rabbeinu, et tu remplis ton cœur avec, pas ton cerveau, ton cœur avec. Tu remplis ton cœur avec, jamais ta vie tu pourras te détourner, c'est fini. Parce que n'importe où tu vas, c'est que cet enseignement qui t'oriente. C'est jamais ton cerveau qui t'oriente. C'est toujours cet enseignement qui te donne les points, qui te dit « va là, fais ça, fais comme ça, fais comme ça ». Tu n'as plus un cerveau déconnecté. Mais un cerveau déconnecté, c'est hyper dangereux. Un cerveau déconnecté de l'infini, c'est-à-dire qu'il commence à tourner avec des circuits fermés de ce monde, mais il peut amener le monde n'importe où. Regarde tous les philosophes, tous les gens qui ont fait des mouvements politiques, des mouvements idéologiques et tout. Tout ça, c'est que de la bêtise du cerveau humain qui tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même, alors il trouve des trucs, n'importe quoi. N'importe quoi. Même dans l'âme Israël, c'est comme ça. Même dans ça, regarde combien de rabbinim ils se trompent sur combien de choses. Et ils savent qu'ils se trompent. Et que ça continue. Et ils savent qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une Torah de logique. Alors dans leur logique, ils se trompent. Et après, tu vois, quelques années après, ils disent, oh, je me suis trompé. Regarde Rav Eliashiv à la Vachalom, il est mort à quel âge? Rav Eliashiv, il est mort à l'âge de 106 ans. D'accord? Maintenant, toute sa vie, il a été pour que les femmes, elles portent la perruque. Il disait, il faut que les femmes portent la perruque, et c'est bien qu'elles portent la perruque, etc. À la fin de sa vie, il a dit, Mechila, je me suis trompé toute ma vie. Et il a dit, c'est interdit qu'elle porte la perruque. Et si une femme, elle veut porter la perruque et elle ne veut pas enlever la perruque, son mari, il faut qu'il divorce. Regarde jusqu'où il a été. Regarde, c'est devenu du djihad de la Torah, tu vois. Il est passé d'un côté à l'autre, complètement. Ils l'ont affiché ici, c'était parce qu'il habitait là. C'était affiché dans la rue ici pendant je ne sais pas combien de temps, des années. C'était affiché tout ce qu'il a dit. Et c'est même, si quelqu'un il veut écouter, il y a un accès à quand il a parlé, ça a été enregistré, et il y a quelqu'un qui te dit exactement les mots pour que tu comprennes ce qu'il a dit, etc. Il dit, si le mari c'est un homme de Torah, Béhémeth, et que sa femme elle ne veut pas l'écouter, elle ne veut pas enlever la perruque, alors il doit divorcer. Bien sûr, c'est pas des choses, je vous dis pas ça, Chas de Shalom, que quelqu'un fasse ça. Mais pour vous dire, regardez quand quelqu'un s'est rendu compte qu'il s'est trompé à la fin de sa vie. Regardez comment il tourne dans l'autre extrême complètement. Alors qu'à Breslev, jamais personne ne dira de divorcer parce qu'une femme elle porte la perruque. Jamais on te dira ça. On te dira jamais ça. Parce que c'est pas le Inyan de Rabbeinu. Rabbeinu, il n'y a pas de... Rabbeinu avec la perruque, avec pas de perruque, si tu es chauve, si tu es n'importe comment, Rabbeinu te répare. Il n'y a pas besoin de ça. Mais pour vous dire que dans les rabbinim qui vont avec la logique, il y a beaucoup qui se sont trompés. Ils sont trompés parce que la logique, ça, on peut se tromper, c'est tout. Ça arrive à tout le monde. Comme on dit, l'erreur est humaine. Hein? J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. Non, mais il n'y a pas besoin, ça veut dire que maintenant, il y a une marloquette. Il y a des rabbanim qui pensent comme ça, et des rabbanim qui pensent comme ça. Oui? Alors tu peux choisir ce que tu veux, c'est pas important. Ce que tu ne peux pas choisir, c'est en dehors de la halakha. D'accord?
Mais si maintenant tu as des rabbanim sérieux de la génération, que tu manges la viande qui font le hercher, tu manges le vin, tu bois le vin qui font le hercher, et lui il dit que les femmes elles peuvent mettre la perruque, ouais, pas de problème. Tu es couvert dans la halakha. Rabbeinu, il te demande d'être couvert dans la halakha, mais d'aller ceux qui sont light, cool, pas de khumra dans la halakha. Light. La halakha, bon, il y a un posek qui dit que c'est permis. Pas besoin de. T'as pas besoin. Ça veut dire que ces chemins-là, ils sont connectables. Le hikar, c'est que tu sors pas du réseau. Tu comprends? Tu rentres pas dans des tunnels, des endroits où il n'y a plus de réseau. C'est ça qu'il te demande. Que là où tu restes, ça reste captable, c'est tout. Tant que tu es dans la halakha, tu restes dans des endroits où tu captes tout le temps. Maintenant, si tu sors de la halakha, alors pendant le moment où tu es sorti, tu es hors réseau. Après, tu reviens. Mais du moment où il y a quelqu'un... Mais ceux qui vont d'après la logique, eux, ils construisent tout le judaïsme sur ça. C'est-à-dire sur le fait de chercher toujours comment faire les choses bien et comment être pointilleux sur chaque chose. C'est ça la vitalité qu'ils ont. Mais nous, on ne tire pas notre vitalité de ça. Et nous, si on fait quelque chose où on est très pointilleux, c'est parce qu'on aime le faire. Alors on le fait comme ça, c'est tout. Mais c'est tout. Mais s'il y a quelqu'un qui permet dans la halakha de faire autrement, il n'y a pas de problème. Du moment où tu es dans le monde de la halakha, tu n'as pas de soucis à faire. De soucis à te faire parce que tu es en connexion. C'est pour ça que Rabbi Nachman il insiste sur la halakha, parce que ça te maintient en connexion. Comment on appelle le Rabbi Youssef Karo? On appelle Mechaber. Que c'est Mechaber? Ça veut dire qu'il fait le chibour. C'est le chibour, c'est la connexion. C'est ça le Mechaber. C'est-à-dire le Mechaber au train. Si tu le suis, tu es Mechoubar, c'est-à-dire que tu es connecté. C'est des outils de connexion dans la halakha. Rabbeinu demande de suivre la halakha. Maintenant, si quelqu'un il fait des averot, il est tombé de la halakha, il revient, c'est tout. Quand il peut, il revient. Si ça lui prend des années à revenir, ça prendra des années, c'est pas grave. Quand il reviendra, il arrangera tout. Il va faire tchouva, il va tout réparer. Ça, c'est la différence de cette Torah-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il peut se permettre de proposer des choses comme ça. Même si Rabbeinu il demande après de pas que tu recommences pas et tout, c'est après, c'est pas avant. Tu rentres d'abord. D'abord tu rentres. Après tu dis regarde, prends sur toi de pas recommencer à faire tes bêtises, etc. Même si tu sais que t'as presque aucune chance de d'arriver, pas grave. Tu vois des situations qui vont se présenter à toi où on va t'obliger à faire certaines choses. Je sais pas, quelqu'un l'avait raconté, j'ai oublié le massé, comment revenant d'Ouman, quelqu'un lui avait pris ses cigarettes, ou je sais pas comment il s'est retrouvé dans une situation, le massé, qu'il n'a pas pu fumer pendant je sais pas combien d'heures et trucs, il n'avait pas de cigarette. Et quand il avait été à Ouman, il avait demandé à Rabbeinu comme ça qu'il veut arrêter de fumer et tout, mais il n'y croyait pas qu'il allait arriver. Les massés, Rabbeinu l'a mis dans une situation où il a été obligé. Hein, il est venu aussi, il nous a raconté un ami qu'on connaît. C'est pas quelqu'un qui faisait Shabbat et trucs, mais il est venu à Ouman. Il est venu à Ouman. Par contre, il s'est bien sonné du chauffard. Mais Shabbat, il ne faisait pas. Alors il est arrivé sur à Rosh Hashanah, il était dans le minyan qu'il y a sur le Tzion, le grand minyan là. Et celui qui sonne du chauffard de là-bas, il vient pour sonner du chauffard, ça marche pas. Et le gars il souffle, pouf, rien, ça sort pas. Rien. Il essaye, le tzibour commence un peu à chauffer et tout. Rien. Alors il demande, est-ce qu'il y a un baltokea ici? Il y a quelqu'un qui sait ici sonner du chauffard? Personne. Personne, il n'y a personne qui savait. Il y avait ce gars-là, que lui savait sonner du chauffard, mais il ne faisait pas Shabbat. Donc il a dit, moi je sais. Il a dit, ah, Bechavon, ma truc, viens faire le chauffard et tout. Maintenant il lui a dit, moi je ne fais pas Shabbat, je vais leur faire le chauffard à Rosh Hashanah. Je ne peux pas. Donc je m'engage tout de suite que je deviens chômeur Shabbat. Il s'est engagé, il a sonné du chauffard. Après, il nous a dit comment il m'a attrapé, Rabbi Nachman, il m'a arnaqué, mais alors, comme il faut, il m'a attrapé comme il faut. Parce qu'il l'a embrouillé, tu comprends? C'est-à-dire, il l'a mis dans une situation
ou lui a provoqué l'engagement, alors que lui, il n'était pas venu pour ça. Lui, il est venu, allez, cher Rabbi Nachman, c'est tout, bah, le tikkun et tout, mais c'est pas que qu'il va l'attraper, comment il va l'attraper. Donc après, lui, il s'arrange quand pour dans les midot, pour t'attraper dans les midot. Après, c'est rien du tout. Une fois qu'il t'a attrapé dans la neshama, qu'il t'a attrapé dans le cœur, le reste, pour arriver après à progresser dans les midot, c'est pas un problème. C'est pas. C'est quand il est arrivé à l'aéroport, ouais. Il a dit c'est pas possible que j'ai plus envie, donc il a voulu fumer. Alors il a demandé une cigarette à quelqu'un, et quand il lui a donné la cigarette, il a dit pourquoi tu fumes? Tu sais que tu dois plus fumer. Ah oui, c'est ça le massier. C'est ça. Le gars, il est arrivé à l'aéroport, il avait plus envie de fumer. Il s'est dit c'est pas possible que j'ai plus envie de fumer. Il voulait essayer. Alors il a demandé la cigarette à quelqu'un, une cigarette à quelqu'un, et le gars, il lui dit pourquoi tu veux une cigarette? Tu sais bien que tu dois plus fumer. Comme ça, il lui a dit, un goy, à l'aéroport. Là, le gars, il voit qu'il est sous haute surveillance, c'est-à-dire très haute surveillance, il ne peut pas bouger. C'est pour ça que je te dis que la connexion, c'est pas pour t'amener après que tu ne vas rien faire, c'est que ne te fais pas de soucis, c'est-à-dire une fois que tu vas faire la connexion, le rébé va t'attraper comme il faut, il ne va pas te lâcher, il va t'amener à tout, tu vas tout réparer. Seulement, c'est lui qui va te driver, c'est pas toi. Toi, tu ne vas pas te driver toi-même, c'est lui qui va te driver. Alors maintenant, tout ça, j'ai démarré pourquoi? Pour dire qu'il y a deux sortes d'enseignements. Il y a l'enseignement qui est dans les midot et dans les jours, et il y a un enseignement qui vient de Torah Diatika Stima. Alors maintenant, nous, on est en train de parler du Nyan de Purim, avec le déguisement, etc. Donc maintenant, on va rentrer dans le sujet, mais inversé. C'est-à-dire, on va voir comment la Sitra Hara, elle fonctionne aussi sur ces deux moteurs-là. C'est-à-dire, il y a un moteur logique et un moteur qui n'est pas logique. Il y a un moteur logique, c'est-à-dire que la Sitra Hara, elle peut t'attraper par la logique. Comment elle t'attrape par la logique? C'est-à-dire, elle te dit, voilà, tu as besoin de manger, tu as besoin d'avoir une maison, t'as besoin d'avoir une voiture, t'as besoin... Bon, mais maintenant, elle te fait exagérer, c'est-à-dire, elle te dit, voilà, tu as besoin d'une voiture, mais tu n'as pas besoin d'une Lamborghini qui coûte 100 000 $. Là, j'ai une voiture, c'est une bonne voiture, ça coûte, je sais pas, 5 000 $, 10 000 $, c'est une voiture. Alors là, la Sitra Hara, elle va essayer de t'attraper dans les mesures, de te faire du démesuré dans les mesures. D'accord? Dans tout ce qui est dans la nourriture, dans tout, elle va essayer de te tirer, d'exagérer la mesure, d'accord? Ça, c'est pas grave. De ça, on peut revenir, on peut faire tchouva. Mais la Sitra Hara, elle a un autre système, que ce système-là, il est hyper dangereux, c'est les choukot des goïm. Les choukot des goïm, ça veut dire que ce sont des choses qui n'ont aucun sens logique. Qu'est-ce qui n'a aucun sens logique? Qu'il faut faire la coupe de cheveux avec la tchoupi qui est rasée ici. Pourquoi on fait ça? Ça va aérer les oreilles? Ça permet de quoi? Pourquoi se raser ici autour et laisser des cheveux ici? Pourquoi tu fais ça? Ça protège le cerveau, ça rend intelligent. Pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de logique. Ça, c'est hyper dangereux. Ça c'est zélo ou matzé de la havache bedaat. C'est-à-dire, c'est Zélomadze de la Torah d'Atikastima. C'est-à-dire que c'est une connexion inconditionnelle avec la Sitra Hara, où tu n'as même plus le choix. C'est-à-dire, tu es connecté sans te rendre compte. Là, tout ce qu'on a dit maintenant avec Rabbi Nachman, maintenant, mettez-le à l'envers. C'est-à-dire, ça s'appelle les choukot de Goïm. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit d'aller dans les choukot de Goïm. Maintenant, ils ont sorti des pantalons tubes. Là, tu ne mets pas ça, toi. À quoi ça sert un pantalon tube? Dis-moi pourquoi. On va faire de la plongée sous-marine, on va faire quoi avec? À quoi ça sert ce pantalon-là? Dis-moi l'utilité de cette chose-là. Qu'est-ce qui est de mieux? Qu'est-ce que ce pantalon tube-là, il amène de mieux dans ma vie de tous les jours? Il t'amène rien. Il t'amène une seule chose, c'est que tu as la mode. C'est tout. Et la mode, c'est Choukot Akum. La mode, c'est de la Sitra Hara. La mode, ça veut dire que quand maintenant tu te mets à la mode, tu
tu te mets à tourner sur un mode de fonctionnement dans lequel tu n'as pas le libre arbitre. C'est-à-dire que tu te fais driver par des énergies négatives sans que tu aies le choix. Tandis que maintenant, quand tu fais une exagération dans les midotes, il n'y a pas de problème, tu peux revenir. Si tu as acheté une Mercedes qui coûte 100 000 dollars, pas grave, tu peux toujours la vendre ou un truc, ou ça peut s'arranger. Et même la chose, elle peut ne pas te faire de mal. Parce que tu peux l'utiliser aussi avec de l'humilité, avec des trucs, tu peux arriver à t'arranger. Maintenant, si tu as l'habitude de manger dans un restaurant 5 étoiles tous les jours, ça aussi, c'est quelque chose que tu peux arriver à trouver le bien qu'il y a là-dedans. Mais les chukot akum, tu ne peux jamais trouver le bien qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est obligé que tu tombes. Tu peux pas, il n'y a pas de sortie. Il n'y a aucun, c'est black is black, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire tu ne peux pas sortir de là-bas. C'est hyper dangereux, hyper dangereux. Donc tout ce qui est chukot akum, c'est-à-dire tout ce qui est inexplicable, il faut s'éloigner de ça. Tout ce que les Ovdei Avodah Zara mettent dans le monde, qui n'a pas d'explication logique, une utilité quelconque, un bienfait quelconque, pour la santé, pour ce que tu veux, n'importe quoi, mais trouve un point de logique positif, tu vois. Que logiquement, c'est positif. Être beau, c'est pas être beau. Être beau ? Qu'est-ce que ça veut dire, être beau ? Si la coupe des cheveux, elle va être plus beau. Pour quoi de faire le truc avec la tchoupique ? Ouais. Comment ça va être beau, que ça va rendre plus beau ? C'est d'après la mode ? Non, mais non, c'est pas plus beau. D'abord, beau est le paro, on a dit la semaine dernière. D'accord. Beau, c'est pour paro. C'est pas pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire beau ? C'est parce que c'est beau d'après les critères. D'après les critères qu'eux, ils ont fixés. Ben, c'est sûr que c'est même pas beau. En plus, c'est une coupe, c'est horrible. Je dis franchement, c'est des trucs horribles. C'est pas, y a les gens qui ont, c'est vraiment horrible comme truc. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans. C'est-à-dire, au point de vue, je te parle, une beauté normale, comme tu vois un coquelicot ou un moineau ou un je sais pas quoi, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Non, c'est beau, ça veut dire que ça correspond à ce qui a été mis sur le marché maintenant. Mais la chose elle-même, elle a rien de beau. Maintenant, si quelqu'un ne se coiffe pas comme ça, il va être marginal par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il y a des choses que tu peux pas. T'es obligé d'être marginal. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que c'est des choses qui sont, du moment où elles sont pas venues sur le marché par de la logique, tu vois, par exemple, tu t'achètes un bon manteau, tu payes cher parce que tu veux qu'il soit bien chaud, bien imperméable et tout. Il n'y a pas de problème. C'est ça pourquoi tu l'achètes. Maintenant, qu'il soit à la mode ou pas à la mode, c'est pas ça qui t'intéresse. Toi, tu l'achètes parce qu'il est bien chaud, tu vois, ou il est imperméable, c'est tout ce que tu veux. Il y a des choses logiques. Donc, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, il y a des choses qui ne sont pas logiques, il n'y a aucun point de raisonnement logique dans la chose. Donc ça, c'est hyper dangereux. Ça, il faut faire très, très attention. Donc ça, je vous le dis à l'avance, parce qu'on va le voir maintenant. Mais comme j'ai vu déjà Rabbi Nathan, de quel côté il est parti, j'ai compris qu'il nous a amené à droite. Maintenant, il va nous basculer complètement de l'autre côté. Et tout l'union de Pourim, de déguisement à Pourim et tout, on va arriver à comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, comment ça marche le déguisement de Pourim par rapport à ce qu'on est en train d'étudier. Alors il dit là-bas, Sham Kulotov, donc c'est là où on était, deux lignes avant la fin du Aleph, page 514 dans l'Ilkhot Purim Alachad Dalet. Ki uprinat oraita deati kastima, deati dalit galal yati de lavo, shi uprinat kulotov. Donc c'est ce que j'ai démarré pour c'est-à-dire j'ai ouvert dans ça, qu'est-ce que ça veut dire kulotov? Kulotov, c'est-à-dire c'est une Torah, la Torah de Rabbeinu, c'est kulotov, comme je vous ai dit, Rabbeinu l'a dit, il n'y a personne qui a perdu avec moi. Tout le monde était gagnant, mais seulement dans le gain, il y a des niveaux. Plus tu as la Emouna, et plus cette Torah-là, elle va te purifier, elle va te faire grandir. Parce qu'elle est kulotov, c'est-à-dire il n'y a aucune emprise du ra dedans. C'est de la Torah entièrement bien. Un peu comme si on faisait un psychologue, si c'est un vrai ratio, c'est
c'est la bouger sur un changement de direction. Et qu'un racine ne doit pas rester, il doit pas rester seulement dans la sol. Bien que tous les moments arrivent, que tout ce qui dure avec tout le temps, c'est que le réaction est l'importance de la sol. Et si on a son moment, vous avez bien dit, il faut que les actes changent. Là-bas, Rabbeinu, il dit pas que comme ça. Rabbeinu, il dit que si maintenant tu es un honnête, par exemple, tu voulais, Rabbeinu, il dit, tu voulais, mais tu es un honnête, c'est-à-dire tu as quelque chose qui t'empêche, tu as un empêchement. Donc tu n'as pas pu. Mais le Icar, c'est que tu as eu le ratson, tu as voulu, d'accord. Maintenant, il dit, il ne faut pas se contenter de pas pouvoir. Il faut chercher à arriver, Béhémet. Il ne faut pas se contenter du fait que maintenant tu es acquitté par le fait qu'il y a une impossibilité. Toi, tu dois faire tout ce que tu peux pour arriver. Et si tu n'es pas arrivé, tu n'es pas arrivé. Et le mieux, c'est que tu arrives, c'est sûr. Mais n'oublie pas ce que Rabbi Yitzhak dit, qu'il amène le Zohar. Le Zohar, il dit que les levushim, les vêtements de ta neshama que tu fais avec le ratson, ils sont plus grands que les levushim que tu fais avec l'action. Quand est-ce que l'action, elle est extraordinaire? C'est quand il y a du ratson dedans et que ce ratson, il t'a amené à l'action. Mais si tu fais une action sans ratson, elle ne vaut rien, l'action. Elle ne vaut rien. Parce que toute la qualité de l'action, c'est le vouloir qu'il y avait dans l'action. Alors maintenant, l'action, elle est venue couronner le vouloir. Mais si tu veux le couronnement du vouloir, il n'y a pas de vouloir, mais il n'y a rien. Le Zohar, il te dit, le ratson, il est plus grand que l'action. C'est-à-dire, une action sans vouloir, c'est moins grand qu'une action, qu'un vouloir sans action. Donc, il faut faire attention, parce que le vouloir, c'est quelque chose qui... C'est Kodesh Kodashim. C'est quelque chose d'extrêmement élevé. Et c'est ça qu'il faut garder. Et le problème, c'est que quand tu rentres dans l'action, et que cette action-là, elle n'est pas entretenue avec un vouloir, et qu'elle n'est pas à ton niveau aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de logique dans ton action que de cœur, le résultat de la logique, c'est qu'elle va tuer le cœur. Elle va tuer le ratson. Quand le bonhomme, il va dépasser en logique son niveau de vouloir, il va tuer son vouloir. Même le vouloir qu'il avait avant, il ne va pas pouvoir arriver. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que le vouloir, il soit toujours au-dessus de l'action. Que quand tu te lèves de table, si tu veux, il faut que tu aies faim. Il ne faut pas que tu aies envie de vomir, tu comprends? Il faut faire attention. Dans vos attachés. Et quand est-ce que tu as envie de vomir? C'est quand tu vas avec la logique. Tandis que quand tu vas avec le ratson et avec le cœur, tu es toujours dans les mesures qui te sont permises. Tu ne vas pas dépasser les mesures qui te sont permises. Alors qu'avec la logique, tu peux aller n'importe quoi, n'importe où. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie logique. Ce n'est pas la logique elle-même. La logique, elle est nifla. Mais si tu es rentré dans Shabbat, mais si tu n'es pas rentré dans le Shabbat, la logique, elle n'a pas de rapport avec la réalité. Comme elle n'a pas de rapport avec la réalité, tu peux faire n'importe quoi. Parce que tu vas faire un raisonnement, tu vas dire, ouais, c'est bien, etc. C'est bien d'après quoi? D'après ton raisonnement, mais tu ne sais pas où va t'amener ton raisonnement. Tu n'as aucune idée. Tandis que si tu es rentré dans le Shabbat, jamais le raisonnement il pourra te trahir. Parce que le Shabbat, il est absolu. Donc il va... C'est comme les antivirus, là. Tu vois, tu reçois un truc où il est passé par antivirus. C'est-à-dire, ça y est, l'antivirus, il vient, il scanne ton truc, ta logique. Quand ta logique, elle sort de l'absolu du Shabbat, il t'allume, il te dit, attends, tu es en train de délirer, là, mon ami. Là, tu as lâché, tu as déraillé. Reviens. Tu as déraillé. Mais si tu n'as pas Shabbat, tu ne te rends pas compte que tu dérailles. Tu ne te rends pas compte que c'est que des raisonnements. Tu ne sais pas que tu es en train de dérailler. Ok, mais regarde la sikha là-bas avec ce que je t'ai dit maintenant, tu vas voir que tu vas comprendre les choses différemment. Tu vas voir que Rabbeinu, c'est ce qu'il dit là-bas, c'est pas que le ratson, il est là pour t'amener à l'action, et que si tu n'as pas fait l'action, les mains, c'est, t'as rien fait. Rabbeinu, il te dit d'abord le ratson, encore le ratson, et toujours le ratson. Et maintenant, tu fais avec le vouloir. Maintenant, tu calcules. Combien d'actions tu vas avoir pour pas détruire ton vouloir? Parce que tant que tu as le vouloir, ça veut dire que tu es vivant. Tu n'as plus de vouloir, ça veut dire que c'est fini, c'est mort. Pour ça qu'il y a tout un Mahamar où Rabbi Nathan il te dit qu'aujourd'hui,
Le fait que le Beth Amikdash il est détruit, c'est plus grand que quand le Beth Amikdash il était construit. Parce que quand le Beth Amikdash il était construit, le fait qu'il y avait l'action, et que le deuxième Beth Amikdash il y avait Achiza de Esav, d'Avka de l'action. Le premier Beth Amikdash c'était Ishmael, le deuxième c'était Esav. Donc c'est pour ça qu'ils ont été détruits. Mais le fait qu'il y avait Achiza de Esav dans le deuxième Beth Amikdash, donc ça voulait dire que le Ratson, il s'est, petit à petit, s'est éteint. Le vouloir, il s'est éteint. Parce que l'action, elle éteint le vouloir. C'est naturel. Elle rassasie. Hein? Elle rassasie. Ouais. C'est-à-dire, elle rassasie, elle ennuie, il y a l'habitude, le truc, etc. Ça détruit le vouloir. C'est pour ça qu'Hachem, il dit que le troisième Beth Amikdash, on ne va pas le toucher. Il va descendre tout près. Hachem, il dit, maintenant, vous n'allez pas commencer à faire des trucs. Moi, je le fais. Vous ne faites rien. Que le Ratson, c'est tout. Alors ça, on a fait des chiourim entiers sur ça pour te dire que les massés, aujourd'hui, ce que Hachem veut, c'est ton Ratson. Ça, c'est ton vouloir, ça, c'est indispensable. Ton action, on peut s'en passer, mais ton vouloir, on s'en passera pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire semblant que tu veux en faisant, tu vois. Ça ne va pas marcher. Tu vas arnaquer personne avec ça. Tu comprends? Tu vas commencer à faire pour faire croire « Zahama, je veux ». Il n'y a pas de Zahama, ça marche mal. Là-bas, là où tu veux, où tu veux pas, c'est tout. Ton action n'en a rien à faire. Si elle vient avec le vouloir, nifla, ashrecha. Mais si elle vient pas avec le vouloir, ne commence pas à nous faire semblant que de faire des super actions hein, en prétendant que tu veux quelque chose. Ça va pas marcher. Pas marcher du tout maintenant. Parce que le troisième Beth Amikdash, c'est Hachem qui le construit. Donc de tes mains, on n'en a pas besoin pour construire le Beth Amikdash. De tes mains, ni de tes pierres, ni de tes trucs, on a besoin de tout ça, rien. Mais par exemple, de ton Ratson, on a besoin. Il est indispensable. Parce qu'il n'y a pas de Ratson, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de vouloir, il n'y aura pas de Beth Amikdash. Et tu ne peux pas dire, comme c'est écrit dans la Torah, « Ve'apilu ». Ve'apilu, ils ont été, quand Moshe Rabbeinu leur a dit, « Bon, puisque vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël, tout ça, donc c'est fini. » Et ici, ça va être, il leur a dit ce que Hachem il a dit. Alors tout de suite, ils sont affolés. Il dit, non, ça y est, on y va et tout. Et alors, il y a un groupe qui est parti. Et Moshe Rabbeinu a dit, ça y est maintenant. Vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël, ça y est. Alors maintenant, il a dit, non, mais on va faire maintenant. Il dit, mais tu ne peux pas faire. Puisque maintenant, tu as dit que tu ne veux pas rentrer en Eretz Israël. Tu ne veux pas, oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas rentrer en Eretz Israël sans vouloir, on ne veut pas de ça. Donc ils se sont fait tuer quand ils ont essayé d'aller vers Eretz Israël. Ils peuvent dire, mais attends Hachem, tu nous as demandé d'aller, voilà, on est en train de faire ce que tu veux, pourquoi maintenant tu nous tues? Mais non, c'est pas ça. Moi je vous ai demandé de vouloir entrer en Eretz Israël. Vous m'avez dit explicitement, on veut pas, ok? Et maintenant que vous avez entendu ce que ça coûte, ce je veux pas, alors vous voulez y aller. Mais c'est pas parce que maintenant je vous ai dit que je vous punis, que vous allez rester 40 ans dans le désert, que maintenant vous dire, ah non, maintenant qu'il y a les 40 ans du désert, ça y est, on y va, j'ai pas besoin de ça. Ça, je ne le veux pas, ça. Hachem, il dit, je ne veux pas cette montée en Eretz Israël comme ça. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ceux qui ont essayé d'y aller quand même, ils sont morts. Il dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut switcher sur autre chose. On a fini, ça. Tu veux ou tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Ok. Reste là-bas jusqu'à ce que tu veuilles. Tourne dans le désert. Tourne jusqu'à ce que tu... Chaque fois qu'il tournait dans le désert, c'était pour réveiller le Ratson, c'est tout. Tourne dans le désert, tourne, jusqu'à qu'un jour tu vas avoir envie de rentrer en Eretz Israël. Alors en attendant, tourne, tu n'as qu'à tourner dans le désert 40 ans. Et après tu auras envie de rentrer en Eretz Israël. Mais tu ne peux pas dire, ah maintenant que tu as vu les conséquences que tu n'as pas voulu, alors tu vas rentrer sans vouloir, et tu dis non, ça ne marche pas. Tu vois comment il marche le système, faire très attention, parce que ça switch d'un côté à l'autre très facilement. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer. Tu peux dire, bon, j'ai peur d'être puni et tout, donc je vais faire la chose. Non, ne fais rien. Ne fais rien, mon ami. Ne fais rien. Reste tranquille. Assieds-toi et commence à vouloir. Commence à aimer, à vouloir la Torah. Et après, avance doucement. Avance doucement. Et tu vas commencer à me faire un robot de Torah et tout. Ça n'intéresse pas. Donc Hachem te dit, troisième Beth Amikdash, tu ne le touches pas, tu ne fais rien. C'est moi, je le descends tout près. Quand le niveau de vouloir il sera assez élevé, il descendra tout près. Mais il y aura peu d'action. Parce que qui parle d'action, ça veut dire... il y a Achiza d'Esav.
Donc on va retomber encore dans le même problème. Donc, maintenant tu vas me dire, mais pourquoi Yaakov, il ne peut pas construire le Beth Amikdash? Il ne peut pas. Yaakov, si Beti Betefila, il carré les Kolohamim, c'est tout. Il n'y a pas. Yaakov, il ne peut, peut pas construire le Beth Amikdash. Yaakov, il peut prier, il peut demander, et Hachem, il va le construire. Mais il ne peut pas venir avec ses mains construire le Beth Amikdash. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a encore des choses qui, dans la matière, qui ne sont pas assez parfaites pour arriver à ça. Alors Hachem, il a éliminé complètement le Nisayon. C'est-à-dire, il n'y a même pas l'épreuve. Puisqu'on sait que de nos mains, on ne le construira pas. Donc, on veut, c'est tout. On demande et on veut. Et l'expression du vouloir, c'est la tefila. Une fois qu'on a voulu et qu'on a prié, logiquement, l'action, elle doit découler, normalement. Puisque la prière, c'est une pré-action. La prière, c'est comme une facture pro forma de la facture. C'est-à-dire, la prière, c'est l'action qui n'est pas encore. C'est l'action qui prépare l'action. Voilà, c'est une action, mais qui n'est pas encore sortie dans la matière. Mais c'est déjà une action. Donc, quand tu as le vouloir, la prière et l'action, alors là, c'est la perfection. Mais il faut toujours que l'action, elle soit complètement, elle découle. Elle découle du vouloir et de la prière. Même dans les mitzvot. C'est pour ça que Rabbi Nathan dit à son fils, même si tu donnes la tzedaka, si tu ne fais pas Yitbo des doutes sur ta tzedaka, je ne t'envie pas. Il dit, mais attends, mais je fais une mitzvah de tzedaka. Tu as prié. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans ta tzedaka? Tu as pitié de ton voisin, tu as pitié de ton prochain, tu as envie qu'il te dise merci. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tzedaka? Mais si maintenant tu as le vouloir de faire la mitzvah de tzedaka et tu demandes à Hachem, aide-moi, je veux faire la mitzvah de tzedaka pour l'honneur de ton nom, à ce moment-là, tu peux arriver après à faire une tzedaka comme il faut, dans l'action. Pourtant, la tzedaka, c'est le niveau d'action le plus élevé qui est, c'est de donner. C'est-à-dire, c'est le plus facile au niveau de l'épreuve. Quand tu prends, c'est dangereux. Mais quand tu donnes, normalement, tu n'as presque aucun danger. Il te dit, même là-dedans, c'est dangereux. Parce que même en donnant, tu peux avoir une kavana de prendre. Il peut y avoir encore des choses qui te donnent envie de prendre là-dedans. Même dans cette action de donner. Donc ça aussi, ça demande un vouloir de la perfection et une demander à Hachem. Alors juste, je vous lis, on va arrêter, mais je vous lis la suite. Et Massé, je vous ai déjà dit un peu de quoi il va parler. Donc voilà. Là-bas, dans cette Torah de Atikastam de Stima, donc il le précise bien, Rabbi Nathan, les malamina sechel, c'est une Torah qui est au-dessus du sechel, au-dessus du cerveau. Qui y efchar lanu leasik besichlenu ora ava azot shebedat. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec notre sechel, notre logique, qu'est-ce que c'est cet amour d'Hachem, qu'est-ce que c'est cette Torah-là du futur. Kmoken et zelo madzev besitrachara yeshne prinot. La même chose dans la sitrachara, il y a deux principes. Yesh prinat klipot v'sitra achara. Il y a les klipot et la sitra achara shem prinat yamim, qui sont dans les jours. Prinat yemera v'em keneged yemeto. Ce sont des jours, des mesures négatives qui sont contre les mesures positives. Mesures positives, mesures négatives. C'est-à-dire, bonne midot, mauvaise midot. Bonne mesure, mauvaise mesure. C'est-à-dire que tu peux faire la chose, tu peux la faire comme il faut ou tu peux la faire pas comme il faut. C'est-à-dire, tu peux manger Bigdoucha, tu peux manger avec de la Tava. C'est-à-dire, ça peut aller là, d'un côté ou d'un autre. Et là-bas, maintenant, quand quelqu'un il fait quelque chose qui est logique, c'est-à-dire qu'il y a une explication, et que c'est de la Sitrachara, il y a toujours des éléments positifs qui se trouvent là-bas. Il y aura toujours une façon de récupérer la situation et de la racheter, c'est-à-dire de la ramener dans le bien. Parce qu'il y a toujours un point là-dedans qui vient de la Kdusha, les Maasés. Même par exemple, si quelqu'un il a envie de manger un super repas et tout, d'avoir envie de manger, c'est déjà un signe de vie, tu vois. Il y a des gens qui sont anorexiques à Chemichemor, ils n'ont même pas envie de manger, il n'y a pas de restaurant, ni rien du tout. Donc déjà, même quelqu'un il veut se faire un bon resto et tout, même que c'est de la tahava, mais il y a toujours un petit nekuda de vie, de trucs. Avec ça, on peut sauver toute la situation. Donc, c'est pas des situations perdues. C'est toujours récupérable et réparable après. Et
Et il y a des sitrachara que c'est entièrement mal, qu'il n'y a aucun point positif là-dedans. Il n'y a pas de bien. Ve'en sham shum da'at klal. Et là-bas, il n'y a aucune conscience d'Hachem du tout. Haynu shem ksilut vera'a gamur. Et c'est de la bêtise, de la folie, du mal total. Ve'en sham shum tov ve'shum sechel ve'shum nutsot shel gdusha. Et là-bas, il n'y a ni du bien, ni de la logique, ni aucune étincelle de gdusha. Il n'y a rien. C'est complètement un truc de fou complet. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout de valable là-dedans. Valken kol ma'aseh hem bli shum sechel ve'ta'am. C'est pour ça que toutes ces actions-là, elles sont sans logique et sans explication. Quelle est la raison? Pourquoi tu fais la tchoupique comme ça? Pourquoi tu fais le patapal en tube? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Dis-moi une raison pourquoi tu fais ça. Dis-moi un taam de sechel. C'est de la folie totale. Il n'y a aucune logique dans ces choses-là. Il n'y a aucune chose qui peut justifier ça. Afilou shel ta'out. Même de se tromper. C'est-à-dire même un sechel à l'envers. C'est-à-dire que quelqu'un il s'est trompé, il a retourné complètement la logique à l'envers. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui est complètement opposé à la logique, mais c'est parti de quelque chose qui était logique, il est arrivé à quelque chose qui n'était pas, par exemple, le gars il va acheter une Mercedes ou un truc, il va prendre plein des accessoires dedans, des trucs et tout, que ça n'a plus rien à voir avec une voiture. C'est-à-dire on est sorti complètement. C'est-à-dire il fait un café dedans, il met la télé dedans, il met plein de trucs dedans, comment dormir, tout ça, ça n'a plus rien à voir avec le fonction de la voiture. Ça fait rien. Ça aussi, ça peut se récupérer parce qu'il y a une base où il y a quelque chose de logique. Qui est le fait que le gars, sauf ça, tout ça, il l'a mis dans la voiture. Donc ça va encore. C'est-à-dire, on peut récupérer la chose. Parce que dans la klipa, des jours et des mesures, on peut toujours trouver des étincelles de Kdusha. Donc là-bas, il y a une raison. Il y a toujours une raison valable. Il y a un inyan, c'est-à-dire, voilà pourquoi on fait ça. Afal piché ou betaout, même si c'est une erreur. Parce qu'il retourne les paroles d'Hachem. À col du ribouyara, il y a tellement de mal que la personne, elle a, au lieu de manger un morceau de pain et un truc, un concombre, un truc, il va faire des repas avec des restaurants où ça coûte je ne sais pas combien le repas, des trucs. Mais bien qu'ils ont complètement retourné la chose, mais la base, c'est toujours le manger. Donc ça va. C'est encore, on peut faire quelque chose avec ça. À Falpiken, il y a quand même une raison, même que c'est une erreur et c'est du mensonge, mais c'est basé toujours sur quelque chose de vrai. Mais dans la deuxième klipa, là-bas il n'y a aucune présence de Kdusha, il n'y a aucune explication. Il n'y a aucun sechel là-bas. Il n'y a aucun sechel. C'est-à-dire il n'y a pas de logique du tout. Ce sont des choukot de goyim, c'est-à-dire des choukot des ovdei avodah zara qui ont des principes qui sont inexplicables. Il n'y a aucune logique pourquoi c'est comme ça. Et c'est surtout dans les vêtements qu'il y a ça. C'est les apparences physiques, c'est là où il y a le plus ces choses-là. C'est les choses où il y a le plus cette attaque-là de la sitrahara. Parce que tout le reste, il y a toujours un truc que ça peut servir à quelque chose. On peut toujours dire, même si quelqu'un il achète un yacht ou quelqu'un il a une maison comme ça, on peut trouver toujours une raison logique. Mais là-dedans, dans l'habillement, les coupes de cheveux, les trucs comme ça, il n'y a aucune raison logique. Je vous ai dit tout à l'heure, mais je finis. C'est la racine de la sitrahara et de la klipa. Qui colle la sitrahara mais kablim misham. Toute la sitrahara, elle reçoit de ça. C'est-à-dire que maintenant, le danger qu'il y a là-dedans, le danger qu'il y a dans ces choses-là, c'est que tu te fais driver par la sitrahara sans avoir de façon, tu peux pas lutter parce qu'il y a pas de logique. Quand il y a de la logique, tu peux te battre. Tu peux dire non, pourquoi t'as... Mais là, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'explication. Et ça, c'est la racine de la même manière que la Torah, de Atikastima, c'est la racine de toute la Torah. Ça, c'est la racine de toute la Sitrahara. C'est-à-dire que quand la personne,
la citrahara, elle l'a fait tomber là-dedans. Après, c'est très facile pour elle de le dispatcher dans l'état à vote, tu comprends? Après, une fois qu'elle a connecté à la racine, après, c'est facile de l'amener à dans l'argent, dans les trucs, dans les comportements qui sont négatifs. Parce que du moment où il a attrapé avec la racine du mal, dans lequel il n'y a aucune explication, il est sans défense, le gars. Il ne peut pas se défendre. Comment tu veux qu'il se défende? Avec quoi tu vas dire une choupique? Qu'est-ce que tu vas te défendre devant une choupique? Tu n'as rien à dire, tu peux rien dire. Pourquoi cette choupique? À quoi elle sert? Qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi? Ça fait tenir le chapeau, ça fait... Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? Il y a pas... Alors ça, quand il n'y a pas d'explication, c'est hyper dangereux. Une montre, il n'y a pas de problème. Une montre, c'est pour regarder l'heure. Il n'y a pas de problème. Une montre, tu peux mettre une montre qui coûte 50 000 euros, il n'y a pas de problème. Elle va toujours rester une montre, même si c'est une Rolex et qui vaut... Sauf, elle va te donner l'heure, elle ne va pas te faire plus que ça, elle ne va pas t'emmener sur la lune, elle va te donner l'heure, c'est tout. Mais maintenant, c'est un bijou, c'est un truc, pas de problème. Tu as fait d'une montre un bijou, mais c'est pas grave, la base, il y a une logique. Donc c'est pas quelque chose qui t'attrape de façon aveugle, tu comprends? C'est pas quelque chose qui peut t'attraper de façon aveugle. Le problème de l'autre, c'est que ça te connecte avec la citrahara sans que tu te rendes compte. De la même manière, tu vois que la Torah d'Atika Stima, elle te connecte avec Hachem sans que tu te rendes compte. Ça dépasse ta logique. Cette citrahara-là, elle te connecte avec la citrahara sans que tu te rendes compte que tu es connecté. Tu te rends pas compte. Tu te rends compte de rien, tu sens pas qu'il y a un problème, tu sens rien. Et après, la personne, elle a des envies de faire des choses, elle a envie de faire des bêtises et tout, elle sait pas d'où ça vient. Regarde les choses que tu as, les vêtements, la coupe de cheveux, des trucs comme ça qui n'ont pas de logique. Et c'est de là que ça entraîne tous les problèmes que tu as. Tous les problèmes que tu as dans les midotes, ils viennent de ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est un problème dans la racine, qui est une connexion avec la citrahara. Et cette connexion, elle n'a pas de logique. C'est ça qui est dangereux. Parce que tant qu'il y a de la logique, il n'y a pas de connexion. Comme dans la Kdusha. Quand il y a de la logique, c'est une arnaque, c'est tout. Tu n'es pas connecté à la citrahara. Si tu arnaques, il t'a embrouillé, c'est tout. Il t'a fait croire que tu as besoin d'une montre qui coûte 50 000 euros. Ok, mais c'est une montre, donc il ne va pas t'amener bien loin, tu comprends? Tandis que là, ces choses-là qui ne sont pas logiques, ça c'est la racine de toutes les ta'avot. Une fois que la personne s'est connectée là-bas, après une fois qu'elle est connectée, elle fait de lui ce qu'elle veut, la citrahara. C'est fini. Alors tu comprends pourquoi il y a des gens, ils n'arrivent pas à se rapprocher, ils n'arrivent pas à faire tshuva, ils n'arrivent pas... Parce que les ma'asé, ils sont connectés avec la citrahara. Donc le bonhomme, il fait des efforts pour pédaler, pour trucs et tout. Mais lui, avec son vélo, avec tout, il est déjà embarqué dans la soupe d'un bateau. Il est embarqué, tu vois. Alors lui, il essaye de faire des efforts. De quoi tu veux faire des efforts? Tu veux faire des efforts? Ne fais pas d'efforts. Coupe la connexion, c'est tout. Coupe les fils, c'est tout. Les fils, c'est pas difficile. Tu vois, tout ce qui n'est pas logique, tu l'enlèves, c'est tout. Tout ce qui ne vient pas d'une explication logique, tu le coupes, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un a besoin pour son travail, ou pour... bon, ça c'est après, c'est autre chose. Ça, c'est déjà du déguisement, c'est pas la même chose. Si quelqu'un il va travailler quelque part, et s'il n'a pas un pantalon comme ça, il l'accepte pas au travail. Non, il est obligé de se déguiser, c'est un vêtement de travail, c'est tout. C'est pas... Mais si quelqu'un il met ça, parce qu'il aime ça, et parce qu'il veut être comme tout le monde, et que quand il vient quelque part, il est habillé à la mode, tout ça, ça c'est de la connexion à citrahara. Après, les gens, ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes de parnassa, qu'ils ont des problèmes pour comprendre la Torah, qu'ils ont des problèmes de midot, qu'ils ont des problèmes de ta'avot et tout. Tout ça, ils te disent, voilà, c'est le shoresh de la citrahara. C'est le shoresh de la citrahara. Mamash, la racine de la citrahara. Et après, de cette racine-là, il va pousser des choses qui sont négatives. Mais ne t'attaque pas à ce qui sort dehors. Cherche la racine cherche la racine du mal. La racine du mal, elle vient de choses qui sont incompréhensibles, que tu fais, qui sont incompréhensibles, il n'y a aucune logique dedans. C'est ça le chidouche qui l'amène ici. Et après, Bezat Hashem, on va rentrer dans Pourim lui-même, on verra plus concrètement par rapport à Pourim. Voilà, Bezat Hashem, chez Shabbat Shalom. Un bon Tou B'Shvat. Voilà, Bezat Hashem.